Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Olivier Papon et on va parler de deux grands mots dont beaucoup de gens parlent mais ne savent pas forcément ce que c'est, le crawl et les logs. Alors, pour commencer, Olivier, je vais te donner un petit peu la main pour que tu nous parles un petit peu de toi. Alors, moi, ça fait pas très très longtemps que je te connais. Je t'ai découvert via ton outil SEOlyzer dont on va beaucoup parler aujourd'hui, parce que ça va être un bel outil pour tester et parler de crawl et de log. Je crois que la première fois qu'on a échangé, ça devait être sur le chat de SEOlyzer, sur un truc genre 23h30 ou minuit. Donc, je me suis dit, tiens, chouette, un extraterrestre comme moi qui est dispo à toute heure du jour et de la nuit. Donc, rien que ça m'a bien plu. Et puis, le contact avait été déjà sympa à l'époque sur ce chat. J'avais bien apprécié nos premiers échanges. Donc, je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Eh ben, Allez. merci Christophe. Bonjour, bonjour Christophe, déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, j'ai créé SEOlyzer maintenant il y a quelques années. C'est un outil, c'est une suite de SEO technique, on va dire, qui comporte du crawl, de l'analyse de log et de l'analyse croisée, du monitoring. Enfin voilà, tout ce qui est du on-page, on va dire, technique sur un site en SEO. Pour parler de moi, j'ai un background de développeur à la base. J'ai fait une IUT informatique, puis un master Internet, toute proportion gardée, puisque c'était un des premiers masters Internet à l'époque. Voilà, j'ai toujours baigné dans le développement et encore plus dans le SEO, puisque dès mon premier job, j'étais en agence SEO, donc je suis resté là-dedans depuis. Hein. C'était en 2006, 2005-2006. Donc voilà, depuis, je suis toujours dans le SEO à développer des outils. J'ai travaillé en agence, chez l'annonceur, etc. Je suis pas parmi les plus vieux, on va dire, pas parmi les dinosaures du SEO français, mais je suis là depuis un petit moment déjà. Certainement beaucoup plus visible depuis le lancement de l'outil il y a 3 ans maintenant, Hey. presque jour pour jour, 2017. Ok. Voilà pour mon parcours jusque-là. Ok, top. Bon, tu sais, moi j'ai eu ma première connexion Internet en 92, hein, de mémoire, à l'époque où ça faisait bip 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 bip, tu sais, pour faire de l'Internet. Ouais, les modems. Donc, quand avec ton master en Internet, moi ça me. Je suis. Moi, ça n'existait pas encore. Moi, on faisait juste de l'informatique. On savait à peine Oui, ça d'ailleurs, en existait à l'Internet. 92 déjà, Ouais, à 92, ouais. J'ai eu ça dans le c'était même cadre pas du de. 56K, ça doit être du Ah 14,4 ou un oui, tout truc à comme fait. ça. Oui. C'était Alors après, moi, au début, j'avais ça dans le cadre de mes études d'ingénieur. Et puis après, j'avais en effet acheté les premières cartes réseau là qu'on mettait dans les ordinateurs. Mais oui, en effet, c'était du 14 kilos, quoi, de mémoire. Hein, tout à fait. Mais bon, de toute façon, on téléchargeait une image en 3 heures et on était heureux. Bon, allez. Fin de la digression. Aujourd'hui, on va parler de deux choses dont je trouve qu'on entend beaucoup parler, mais peut-être sans trop savoir ce que c'est. Et puis surtout, peut-être sans. Voilà, on se dit, tiens, on crawl, on log, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert, comment utiliser tout ça. Et c'est vrai que toi, dans SEOlyzer, tu as fait une plateforme qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, explique-nous un petit peu, déjà, peut-être en introduction. Ben, c'est quoi tout ça, le crawl, les logs, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on va commencer par le crawl, Ouais. parce que c'est quand même l'outil de base enfin le crawler, c'est l'outil de base que tous les SEO utilisent, hein, c'est la première chose qu'on apprend. Le crawl, déjà, c'est quoi? C'est le fait d'automatiser le parcours d'un site via un robot. Donc, c'est-à-dire que Googlebot, par exemple, crawl un site internet, c'est-à-dire qu'il va parcourir des pages automatiquement via un programme qui s'appelle un robot. Évidemment, ce n'est pas des Googlers qui vont aller parcourir vos sites de page en page. Donc, tout ça, c'est automatisé. Et nous, en tant que SEO, quand on utilise ce qu'on appelle un crawler, comme Screaming Frog, pour les plus anciens, il y avait Xenu, etc. Mais je pense que le plus populaire, c'est encore Screaming Frog. On vient, du coup, parcourir un site en suivant les liens du site. C'est-à-dire qu'on part généralement de la page d'accueil. Le logiciel va lire le code source de la page d'accueil, regarder tous les liens qui sont présents dans cette page d'accueil et les parcourir. Et ainsi de suite, sur toutes les pages, jusqu'à avoir tout le périmètre du site, c'est-à-dire trouver toutes les pages.
pourquoi on fait ça, quel est l'objectif de ça, c'est bien sûr de s'assurer que toutes les pages que l'on veut présenter au moteur de recherche, à Google, entre autres, soient, entre guillemets, trouvables via des liens sur le site. Alors, il y a d'autres moyens pour Googlebot de trouver des pages sur Internet, mais en tout cas, il faut être cohérent sur le site et être certain que les pages qui vont générer du business, qui vont générer du trafic, déjà, avant de générer du business, soient visibles par Google et qu'elles soient compatibles avec les guidelines de Google, tout simplement. Ok, donc ouais, ça c'est une question que j'ai eue encore par un prospect hier ou avant-hier. Donc Google, hein, il vient voir les sites internet tous les jours. Hein. Quand j'ai un site, il vient chez moi tous les jours et il vient voir ce qui se passe. Même les plus petits sites, on va avoir quand même une petite dizaine de hits par jour, c'est-à-dire une petite dizaine de pages ou de ressources. Quand j'entends ressources, je dis des images ou du JS ou des styles de CSS, des choses comme ça. Mais effectivement, même les plus petits sites, Google vient plusieurs fois par jour sur un site pour voir ce qui se passe, tout simplement. Et donc ça, pour utiliser donc un mot qu'on entend souvent, c'est ce qu'on appelle le crawl budget, c'est bien ça, hein ? Alors, c'est le nom qui est utilisé. Pourquoi ? Bien évidemment, on parle de crawl budget parce que Google, vous imaginez bien que pour crawler tout le web, tous les sites, et certains sites même plusieurs fois par jour, hein, des sites d'actualité, ils sont vraiment sollicités très fortement par Google. Google, il a des ressources limitées en termes de data center, de serveurs, de machines, de bandes passantes. Et puis, il y a des milliards de sites internet à aller crawler. Oui, je me suis noté le chiffre parce que je ne m'en rappelle jamais. Il y en a 130 000 milliards de pages. Ok, 130 000 milliards. Okay. Sachant que ça, c'est le dernier chiffre communiqué par Google. Il y a des dizaines de millions qui viennent se rajouter chaque jour. Et au-delà de ça, il faut qu'ils jouent aussi avec tout ce qui est spam, où nos amis Black Hat balancent des blasts, des millions de pages par jour. Voilà. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de ressources physiques, en machine serveur, électricité, etc. Et forcément, il faut que Google, il priorise tout ça. Il faut qu'il passe son temps et son argent sur les bons endroits, les bons sites pour fournir à l'internaute des résultats pertinents. Donc lui, il priorise. Il priorise les sites qu'il doit crawler. Il priorise même les pages internes d'un site qu'il doit crawler. Comment il fait ça ? Bah, il y a tout un tas de facteurs qui indiquent qu'une page doit être plus ou moins crawlée. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait typiquement la fraîcheur du contenu. Si on est sur un site d'actualité, la home page ou la page de liste qui contient les actualités va être énormément crawlée en longueur de journée. Le sitemap aussi va être assez crawlé. Donc le robot TXT, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est la base, il est très crawlé aussi. Oui, tout à fait. Une page, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais une page qui n'est pas forcément très très linké en interne du site, mais qui a beaucoup de liens externes, ça va être un signal fort aussi pour Google, il va venir la consulter extrêmement souvent. La longueur du contenu peut jouer aussi, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les facteurs parce qu'il peut y en avoir des dizaines, mais en tout cas, selon tous ces facteurs, Google va prioriser la page. Il va prioriser la page à l'intérieur du site, mais il va aussi prioriser la page à l'échelle du web, à l'échelle des autres sites. Est-ce que moi, je dois plutôt aller crawler le site A ou le site B en tant que Googlebot ? Donc, l'idée, c'est de simplifier la tâche de Googlebot et par rapport au budget, au temps de crawl serveur qui nous est alloué par Google, de l'optimiser, tout simplement. De s'assurer donc là, tu fais du coup une belle distinction, on parle de budget, mais en fait, c'est un budget en temps. Google nous alloue du temps tous les jours, en quelque sorte, c'est ça ? C'est du temps serveur, effectivement. Moi, je préfère parler de temps que de budget, même si, entre guillemets, le temps, c'est de l'argent pour Google, mais et pour tout le monde, d'ailleurs. Mais, encore une fois, si... on n'en a pas parlé dans les facteurs, mais la performance de votre site joue aussi sur le crawl budget. C'est-à-dire que si vous avez une page qui se charge en 10 secondes, si du jour au lendemain, vous faites en sorte techniquement qu'elle se charge en 2 secondes,
Google va venir l'avoir plus souvent. Tout simplement, alors c'est pas vrai dans 100% des cas, mais dans 95% des cas, c'est vrai. C'est-à-dire que si on fait des optimisations techniques sur la base de données, sur le temps de réponse serveur, etc., et qu'on arrive à diminuer le temps de réponse à Googlebot, on augmente le taux de crawl par Google, tout simplement. Ok, on parlera peut-être après de ratio entre guillemets ou d'efficacité. Est-ce que le taux de crawl a un impact sur le nombre de visiteurs, des choses de ce genre-là, mais je pense qu'on en rediscutera un petit peu tout à l'heure. Donc peut-être qu'avant d'expliquer comment nous on va aller un petit peu espionner ce que fait Google sur notre site, un petit peu, c'est l'idée de tout ça. Peut-être si tu veux qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que fait un crawl. Alors, pas le crawl de Google, mais le crawl des outils SEO. Et peut-être qu'on peut aller voir un exemple dans SEOlyzer, si tu veux. Eh bien, écoute, avec plaisir. Alors, écoute, je vais partager. Donc, moi, je vais reprendre un site d'exemple que j'ai déjà utilisé dans deux, trois vidéos ou dans une ou deux conférences. Donc, c'est un petit site e-commerce, alors qu'il doit avoir quand même 5 ou 6 000 pages. J'ai plus en tête exactement. Ben, on verra ce que nous dit le crawl. On aura peut-être cette information-là. Et donc, j'ai lancé un crawl de ce site dans SEOlyzer, donc l'outil que tu as développé. Je vais lancer le partage d'écran. Alors, il faut que je retrouve. Pourquoi j'ai pas. Ah, il est là. Je suis. Ok. Donc là, tu dois voir mon partage d'écran. Tout à fait. Donc, si tu veux peut-être me guider un petit peu dans l'outil, parce que moi j'utilise l'outil mais un peu en mode newbie, donc peut-être que tu vas pouvoir me dire, me Écoute, donner plein de choses. on va aller voir le crawl que tu as fait du coup le 9 novembre. Allez, donc je Hop. clique dessus. On va y aller. Ok. Donc, quitte à me répéter un petit peu, un crawler, qu'est-ce qu'il fait? Il part de la page d'accueil ou d'une autre page, mais en général, on parle de la page d'accueil. Il vérifie tous les liens qu'il y a dans les pages et il descend dans les pages connexes. Tout simplement, hein, c'est un arbre, c'est comme une pyramide. On part de la home page et puis on parcourt tous les liens et ça nous permet de voir toutes les pages du site, de découvrir toutes les pages du site. Donc là, dans le premier graphique que tu as à gauche, on voit que tu as des URL qui sont bloquées. On entend par URL bloquées, c'est-à-dire que tu donnes des directives au moteur pour ne pas aller les voir. Après, libre à lui de les suivre ou pas, tes directives. Donc là, on parle des directives dans le robot.txt, du coup. Alors, on parle de deux types de directives. Le robot TXT, effectivement, où tu peux dire au robot Google et autres de ne pas parcourir une partie de ton site. Donc avec un disallow, tout simplement. Et tu as aussi toutes les pages que le crawler a trouvées via des liens en nofollow. Donc une directive où tu indiques à Google de ne pas suivre le lien. Donc toutes ces URL-là, elles sont dans les URL bloquées. Et là, tu vois, tu en as 7,72%. 7,7%. Voilà. Et les URL crawlées, du coup, le reste, 92,3%. Et on voit que dans la structure complète de ton site, donc toute URL confondue, tu as 4160 URL qui ont été trouvées par Alors, le c'est crawler. affiché ici. Ok, ça marche. J'avais notre petite vidéo dessus. Donc voilà, on a le Exactement. détail de ce que je me disais tout à l'heure. Le nombre que. Donc là, ton robot, en suivant les liens, il a trouvé 4160 URL. Exactement. Donc c'est déjà un beau petit e-commerce, hein, quand même. C'est pas, voilà, ça fait quelques produits. Ouais, il y a pas mal de jouets sur le site. C'est la bonne période en ce moment. Et donc, Exactement. bah, Si on parle de la... lui. Pardon, excuse-moi. Donc là, on n'utilise pas le sitemap ou des choses comme ça. C'est uniquement le lien. Je suis les liens sur le site. Exactement. Ok, super. Le second graphe à droite, il va être un peu plus précis dans le sens où on reprend ces 4160 URL-là et on vérifie celles qui sont indexables ou pas aux yeux de Google, donc en fonction de différents critères. Donc typiquement dans tes URL non indexables, tu vas retrouver toutes les URL qui sont bloquées par le robot TXT et via les liens en rel nofollow. No Mais follow. tu vas aussi avoir d'autres URL que tu as crawlées, mais qui ne vont pas être
indexable, c'est-à-dire les 404, les 500, toutes les redirections, les 301, 302, elles ne sont pas indexables directement puisqu'on pointe vers une autre page. Donc finalement, par opposition... Et puis tout ce qu'on peut avoir mis en noindex aussi, j'imagine. Exactement. Donc okay. Par définition, tout ce que tu vas avoir dans indexable, ça va être les pages qui sont en 200 ou en 304 et qui ne présentent pas de directive, encore une fois, que tu aurais mis dans la page ou dans les headers en disant à Google, n'indexe pas cette page. Donc, tu l'as dit, hein, soit une meta-robot, soit directement la X-robot dans le header. Enfin, voilà, ouais. Il y a tout un tas de critères. On ne va pas rentrer dans le détail non plus aujourd'hui. Fait. Mais en tout cas, tu as toutes ces URL indexables là. OK. Donc déjà, une première vue d'ensemble. Donc, j'ai un peu une idée de réponse, mais... Pour toi, si c'était l'inverse, si ici j'avais 90 de non-indexables et 10 d'indexables, ça ne serait pas très normal a priori. Ça ne serait pas très normal. Et puis, alors, si elles sont bloquées via le robot TXT, celles qui sont non-indexables, bon, à la limite, tu sais ce que tu fais. Tu as prévu le coup et c'est volontaire de ta part. Par contre, si tu as une grande différence ça entre peut être, on voit aussi des belles boulettes dans les robots TXT de temps en temps. Oui, c'est sûr. Mais disons que si tu en as beaucoup qui sont non indexables, pardon, et que ce n'est pas forcément voulu, que ça peut être des problèmes de canonical aussi, on n'en a pas parlé, mais ça peut être des choses comme ça. Il y a des questions à se poser du coup, parce que elles sont crawlables. Le crawler les a vues, donc Google les verra aussi. Et il va passer du temps dessus et pour rien. Voilà, s'il a rien à faire dessus, autant ne pas lui présenter. Ok. Autant lui simplifier la tâche. J'ai envie de dire, c'est comme un magazine, c'est-à-dire que dans un magazine on a une page sur deux qui ne sert à rien, c'est pas très agréable à regarder, quoi. Et bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, les magazines, parce qu'il y a de plus en plus de pubs dedans. C'est ça, c'est ce que j'ai dire. C'est le cas maintenant dans les magazines. Une page sur deux, c'est de la pub. on va prendre l'exemple d'un livre achètes. Si tu as une page sur deux qui est vide ou qui est dupliquée ou c'est déjà un truc que tu as lu, etc., c'est pas bon. Le livre n'est pas bon. Voilà, c'est la même idée. Ok, donc on va peut-être continuer un petit peu dans les différentes rubriques là, que tu as dans l'outil. On peut aller voir les codes HTTP. C'est parti. Là encore, ça c'est la base de la base. Hein. On a dit pour qu'une page soit indexable sur Google, il faut qu'on lui renvoie un code 200 ou 304. Donc 200, c'est un statut OK. 304, c'est non modifié. Donc, c'est encore une petite astuce, mais je ne vais pas développer aujourd'hui. Sans développer, moi, c'est un truc que je n'utilise pas du tout, moi, le 304. Alors, tu vas utiliser dans quel cas, ça ? C'est le not modified, du coup. Ouais. D'ailleurs, tu dois avoir des plugins, je pense, sur PrestaShop qui le font. Il y en a qui le font sur WordPress, donc ça doit exister sur PrestaShop. L'idée, c'est de renvoyer... un header 304 à Googlebot, et quand tu lui renvoies un header 304, lui il s'arrête. Okay. 304 not modified. Oui, d'accord, donc, je comprends. Du coup, tu lui laisses du temps pour des autres pages qui auraient été modifiées. Exactement, okay. Lui il s'arrête à la 304. En fait, toi tu lui spécifies, tu lui déclares que la page n'a pas été modifiée depuis son dernier passage. C'est l'idée. Ok, ça c'est un super. C'est une super astuce à noter, ça. Et tu vois, je suis le premier à ne pas l'utiliser, mais... C'est beaucoup utilisé sur les gros sites avec beaucoup de contenu, parce qu'effectivement, du coup, tu gagnes beaucoup de temps de crawl, puisque Google, lui, il y avait un sujet de John Mueller il n'y a pas longtemps sur Twitter là-dessus. Google, lui, quand il rencontre un code d'erreur, par exemple, une 404, il ne va pas s'amuser à aller crawler la page derrière. Il s'arrête au header. Et il ne va pas regarder le contenu derrière. Il y avait un sujet autour de ça parce que quelqu'un sur Twitter lui demandait à John Mueller si, quand Google trouvait une 404, si Google parcourait le lien de la page 404. Et il a dit non, on s'arrête au header. Il faut qu'il y ait une 200 pour aller voir les liens internes. OK.
Voilà, donc par rapport à ce graphe-là, toutes les légendes et ce qu'on appelle les buckets, donc les différentes séries dans le graphe sont cliquables. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez extraire vos 404 et l'envoyer par exemple à votre développeur. Voilà, tu peux cliquer Christophe ici ou ailleurs sur la légende. Et du coup, ça permet de tout lister, de l'exporter en CSV ou en Excel s'il faut travailler dessus. Ouais, Petite ok. précision aussi pour toutes les données, vous avez une multitude de colonnes qui sont disponibles à droite dans la liste des données en dessous. Tac. Je pense que tu peux afficher plus de colonnes, Christophe. Alors, Comme ça, on verra. C'est en haut à droite des données, juste en haut. attends, Moi, excuse-moi. j'ai la Ah caméra oui, de pardon. zoom Oui, excuse-moi. par-dessus. C'est bon. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Alors, attends, je vais pousser le zoom. Voilà, très bien. Ouais, ok. Donc, en effet, on a plein Tac. de. Bon, je coche tout, hein. Fais tout cocher, au moins ça sera. Yep, ok. Voilà. Et alors, par contre, j'ai pas l'ascenseur en bas. J'ai mon écran qui dépasse un peu. Alors, il faut Ouais, pour aller à droite, il faut faut juste que je le cliquer retaille. sur le contenu et glisser avec ta souris à droite. Il faut qu'on mette un Ah, petit ok, c'est bon. ascenseur là-dessus. Hop là, mince, je sais pas. Oui, ok, ça marche. Ok. Oh, mais. Sinon, glisse directement, fait comme si tu faisais un drag and drop. Tac, tu cliques et tu glisses. Ok, ça marche. Donc, vous voyez que Ah. là, il y a toutes les Pardon. infos qui sont Ok. découvertes par le crawler sur la page. Il y a aussi très important, du coup, tous les temps de réponse Alors, je vais y revenir. pour voir si les Hop, pages temps sont de plus ou moins réponse, ouais. lentes. Et après, tu peux cliquer sur une URL, Christophe, comme ça on verra tout le détail, ça sera plus Ok, ça simple. sera plus Vas-y. simple parce que là, je m'embête un peu avec le scroll et en plus, j'ai pas Ouais. ma souris habituelle. Alors, hop. Allez, je vais prendre celle-là. Ok, Voilà. voilà. Donc ça, c'est toutes les informations qui ont été vues par le crawler et qui sont du coup synthétisées ici. Il y a le H1, le title, la description, le robot. Le header XRobotTags dont on parlait tout à l'heure, de savoir si elle est bloquée, si elle est indexable, si elle n'est pas indexable, pour quelle raison elle n'est pas indexable, la canonical, le nombre de mots, le nombre de liens sortants. Et aussi là, il y a tout un pavé de données scrapées. Donc les données scrapées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des données que l'on veut extraire des pages. Donc soit via des expressions régulières, soit Ok. des sélecteurs CSS, soit du XPath. Mais l'idée, c'est d'intégrer des données que vous avez sur votre site dans les données de crawl. Ok. Typiquement, vous pouvez extraire un prix, par exemple. Vous pouvez extraire un fil d'Ariane, qui peut être utile pour catégoriser vos pages. Ce que font beaucoup de gens aussi, c'est tout simplement vérifier que le tag Google Analytics est bien en place, Ouais. ou tout autre tag. Voilà, on peut récupérer n'importe quelle donnée qui est dans le code source de la page Ok. et l'enregistrer lors du crawl. Et là, donc dans SEOLIZER, si je veux aller saisir c'est les règles, les expressions régulières ou les XPath, je vais dans quel endroit pour faire ça du coup? Alors, c'est directement quand tu fais lancer un crawl, donc le petit bouton D'accord. bleu que tu Ouais, as, ouais. tac. Là, tu as toutes Ah, les données scrapées, ça caractéristiques marche, j'ai du compris. crawl, et voilà, Ouais, tu peux faire ok. tout ça ici. Ok, ça marche. Ouais, c'est bien pratique ça. Ok, top. Ok, Voilà, donc donc je. toutes les. Tu peux fermer, il y a une petite croix en haut à droite. Toutes les données Ouais. sont filtrables, exportables. Très très important. Alors on ne le voit pas assez sur l'outil, mais c'est quelque chose de récent et qui est très 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 puissant. C'est les filtres que tu as en haut des données. Tu as un petit bouton gris, ajouter un filtre à côté de ton Non. 200. Alors Alors, ça c'est pour pardon. trier du coup, À mais tu côté. as le Oui, filtre pardon, juste ici, ouais, OK. là. Voilà, tu Ouais, vois, il tout n'est à pas fait. assez visible. Non, c'est vrai. Et ça c'est extrêmement puissant Eh oui. parce que tu peux filtrer sur tout ce que tu veux, sur tous les champs et même par catégorie de page. Ok. Donc, tu peux filtrer par exemple juste celles qui sont bloquées ou juste celles qui sont indexables, juste celles qui mettent plus de 5 secondes à répondre, par exemple, Exact. Ouais, bien pratique ça aussi, ouais. celles qui n'auraient pas, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, celles qui n'auraient pas le tag Google Analytics, des données scrapées, Ok. celles qui ne sont pas du tout crawlées par Googlebot, par exemple, etc., etc. Ok. L'idée, en fait, avec ça, de ce filtre-là, c'est que derrière, on peut exporter, par exemple,
L'objectif, c'est entre guillemets un peu zéro Excel, de pouvoir faire le maximum d'opérations Directement dans directement l'outil, dans ouais. l'outil, Ça marche, ouais. parce que c'est un peu plus adapté qu'Excel au niveau des métriques, etc., quoi. Ouais, après, bon, sachant qu'il y a un petit bouton exporter malgré tout, hein, On peut s'il y a toujours exporter. les gens qui voudraient le Voilà. faire dans Excel, mais tu as en effet proposé pas mal de choses. Il y a des règles conditionnelles, je vois, Voilà, on peut rajouter du on peut et rajouter autant de ou règles qu'on veut, ouais, ça marche, ouais. logique, voilà. Ouais, ok. Exactement. Ok, très sympa, bah, tu vois, oui, c'est en effet une chose sur laquelle j'avais pas forcément poussé cette partie-là non plus, donc bien Alors, pratique à j'ai pas savoir. encore communiqué sur cette partie-là, c'est aussi Ok. pour ça que c'était pas ultra visible, Ça marche. mais c'est quelque chose de pas mal attendu et Ouais. relativement puissant. Ok, donc là, en effet, déjà une bonne mine d'informations. Alors, si on continue un petit peu, alors, moi, tu as d'autres choses à rajouter sur cette page-là? Ce qui peut être Ouais. intéressant, c'est d'enlever le filtre que tu as sur les 200, là, et d'aller voir les 404. Et moi, j'aime bien Allez. travailler sur les 404, Ouais. 404, pardon, parce que des fois, il y a quelques pépites. Ouais, j'en vois Là, quelques-unes là, globalement, pour le tu coup, vois, on malgré voit tout, qu'il y mais. a pas mal de produits. Ouais, c'est ça. Des produits avec des paramètres qui sont probablement des facettes. J'imagine. Ouais, ça devait être des anciennes facettes, j'imagine, ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a des liens qui traînent là-dessus. Exactement. Ce qui n'est pas Tu vois du que tu as la tout, ce qui est home pas page du tout aussi avec normal pour le coup. un Ouais. underscore, tu Ouais. vois, avec un tiret aussi. Ouais, je vois ça. Donc c'est, tu vois, c'est Ça des peut être choses. utile aussi enfin, vraiment pour Et donc corriger. après, on peut retrouver, pour Voilà, trouver d'où ça vient. tu passes par Ouais. les innings Ouais. Comme ça, et on tu peut vois aller d'où les ça vient, corriger. Ouais, tout effectivement. à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, ah non, là c'est des 200, mais sur les 404, il serait intéressant de faire un truc. J'aime bien le faire. Ouais. C'est d'aller du coup sur les filtres Ouais. en haut et de rajouter page active et vrai. Tu vois. Donc Hop, page active, objectif est tac, vrai. et Ouais. vrai, tac, puis filtre. Ok, filtré. Donc, tu as des 404 qui sont actives. Donc, active, on entend par le sens Visiter. active, visiter Ouais. sur les Stabilizer pour l'instant, sur les 30 derniers jours où tu as fait l'analyse croisée. Ouais. Et bah, du coup, a priori, ce sont soit des produits qui sont tombés en 404 récemment, parce que si elles ont été visitées, c'est que potentiellement elles étaient en 200. Ouais. Et on précise, mais visité par le SEO en Ouais. provenance de Google. Hein. Quand on Ouais, tout dit à qu'elles fait. sont actives, c'est active en provenance de Google. Ouais, alors après, ça c'est en effet sur ces fiches produits, enfin, il faudrait que je regarde plus dans le détail, mais c'est toujours la grande question de savoir de ce que tu fais d'un produit à partir du moment où il est plus en stock, où il n'existe plus. Et c'est vrai que là, elle tombe en 404 et c'est pas une bonne idée. Mais ouais, ok. Du coup, il ne faut pas avoir peur de cumuler comme ça des critères. Ouais. En fait, de réfléchir à qu'est-ce qui ne serait pas normal sur mon site, de prendre le problème à l'inverse. Tu vois, bah, typiquement, une page active en 404, c'est un produit qui est tombé en 404 récemment. Donc, Ouais, tout à sympa fait. de corriger les liens. Ok. Ouais, en effet, là, il y a des choses à aller faire. Intéressant. Très Alors, qu'est-ce qu'on peut aller pratique. voir du coup? Bah, comme tu veux, il y a la profondeur. Profondeur par groupe, ça peut permettre aussi d'expliquer les groupes. Ouais, alors on va peut-être aller ouais, donc rapidement la profondeur, donc on voit les niveaux de page. Je Alors, crois que j'ai quand ouais, même juste je vais 10%. rappeler Oui, ouais. ce qu'on appelle profondeur, pour ceux qui ne savent pas forcément. La profondeur, c'est le nombre de liens, de clics qu'il faudrait à un utilisateur à partir de la home page pour accéder à une page. Donc, en gros, c'est le nombre de liens que va suivre successivement le moteur pour arriver à telle ou telle page. Donc là, on voit que tout est en niveau 1, 2, 3, 4. On préconise souvent de ne pas aller au-delà du niveau 4. Pourquoi? C'est une histoire de page rank. On en reparlera un petit peu plus tard, même si il y a des contre-exemples. Mais l'idée, c'est que on parlait d'arbres tout à l'heure. Plus vous êtes bas dans l'arbre, et moins vous avez de popularité
qui est passé par les autres pages du site. Donc, vous diminuez votre potentiel à ranker sur Google pour une page qui est profonde, du coup. Là, je vois quand même que j'ai un paquet de Un niveau paquet 8. de... Ouais, Ouais. c'est des paginations. Ouais, Et oui, c'est de la normal. pagination. Tu vois que tu as de la page 66, Ouais. etc. Donc, au moins, tu vois, ça te permet d'identifier le problème. Tu sais d'où ça vient. Tout Ça à vient de fait. ta catégorie, Ouais. de tes pages de liste, de tes Ouais, catégories. tout à fait. Ouais. Ça, je Donc, alors savais. peut-être, j'imagine que c'est quelque chose de natif PrestaShop, mais... Ouais, après, c'est aussi. Enfin, ouais. Oui, oui, c'est du natif à PrestaShop. Après, c'est vrai que sur la pagination, moi, j'ai. Voilà, sur ce site-là, pour l'instant, on a laissé toutes les paginations par défaut. Par contre, toutes les pages au-delà de 1, elles sont. Alors, elles sont indexables, mais elles sont désoptimisées pour le SEO en termes de balise title, des choses de ce genre-là. D'accord. Mais oui, elles sont là et je les laisse indexables. C'est. Après, tu peux juste par exemple les faire remonter en termes de profondeur, juste en rajoutant. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est fait sur la page de liste de tes catégories, là, mais peut-être en rajoutant des boutons intermédiaires dans la pagination Ouais, sur c'est des exactement dizaines ou des ça. choses comme Ouais. ça pour C'est réduire la exactement profondeur. ce que j'avais en tête, en effet, qui n'est pas fait encore. Mais oui, pour l'instant, tu as 1, 2, 3, 4, et puis tu as un petit bouton qui permet d'aller plus loin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de notion de dizaine, etc. Donc, c'est des choses, en effet, qui sont dans les tuyaux. Et puis la pagination, c'est un grand débat, hein, entre les Ouais, SEO c'est qui vont clair. dire faut la désindexer, les SEO qui vont dire non, non, faut l'indexer ou la mettre en non-index, mais follow. Voilà, il y a tous les cas de Ouais, SEO dans chacun a toutes les stratégies. a son Voilà. petit défend son clocher. Ouais. C'est Donc, ça. ouais, moi mon clocher, voilà, je les laisse en indexable, je les laisse en follow, mais je les désoptimise. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais, Je suis un peu comme ça aussi, je les laisse en en indexable parce que je pars du principe que si on les indexe pas, il y a certains produits qui vont avoir un seul lien entrant et justement en provenance de ces pages de catégorie-là. Et que du coup, si ces produits-là n'ont pas de lien par ailleurs dans le site, Ouais, tout à fait. bah, du coup, ils tombent C'est exactement en ça. page orpheline et Ouais. bah, on perd des chances de ranking, hein, tout simplement. Après, je sais que là, par défaut, moi, sur ce site-là, quand je l'ai repris, il y avait voilà, toutes les pages 2, 3, 4, 5, 6 étaient en canonique sur la première page. Donc, ça, c'est aussi des choses que j'ai virées. Parce que pour moi, ce n'est pas les mêmes pages. Hein, donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais fait une canonique. Mais encore une fois, ça, c'est sûrement discutable. C'est voilà, c'est le grand classique. Tu pourras lancer un débat là-dessus, Ouais, c'est sûr que tu exactement. pourras faire une vidéo de 2-3 heures. Je pense, ouais, facile. Ouais. Ok, alors, du coup, on arrive à la page que tu voulais qu'on voit, cette histoire de profondeur par groupe, et on va rentrer dans cette notion de groupe de pages, qui est un des trucs assez sympas qu'on a dans, enfin, même très sympa qu'on a dans SEOlyzer. C'est-à-dire qu'on peut catégoriser nos pages pour créer des ensembles de pages de manière à pouvoir avoir des infos par typologie, par type de page. C'est bien ça? Exactement. Alors, l'idée, c'est que sur un site, on a vite des dizaines, des centaines de pages. Bah, là, tu vois, c'est un site de e-commerce. Combien on a dit? On avait Ouais, 4000 pages, un quoi. peu Ouais, plus tout de à fait, 4000, hein, dans la structure. Là, on a ouais. 3839 qui sont des pages crawlées. Et évidemment, on ne va pas aller analyser ces pages-là une par une à la main. L'idée, c'est de pouvoir les grouper pour les analyser plus finement. Est-ce que Google crawle plutôt des pages produits? Est-ce qu'il crawle plutôt des pages de catégorie, etc. Ça, si on devait le faire page par page à la main, ça serait un petit peu compliqué. L'avantage de ça aussi, c'est que on peut catégoriser de différentes façons. Un dev technique, par exemple, un développeur, quelqu'un de technique, il va peut-être faire une segmentation, une catégorisation par template de page, c'est-à-dire pour lui, sur quel fichier, en gros, PHP, il travaille derrière, sur quel template HTML. Un SEO, lui, il va peut-être travailler par objectif SEO, par mots-clés. Ouais. Quelqu'un d'un peu plus business, un marketeur, bah, lui va travailler par
par catalogue, entre guillemets, par produit, par catégorie, par voilà, ma catégorie 1, ma catégorie 2, etc. Voilà, il y a différentes visions, on va dire, de la catégorisation. Et d'ailleurs, sur SEO Laser, on peut avoir plusieurs catégorisations de ce type, hein, en parallèle. On n'est pas obligé d'en Alors, avoir une seule. il me semblait que je l'avais fait, mais je sais plus, peut-être pas. Donc, tu peux la sélectionner à côté du nom du crawl en haut à droite, ta catégorisation 1, 2, 3, etc. Ouais, ok. Donc ça, c'est bien la une, ouais. T'en avais fait une autre, du coup? Je sais plus, j'ai Ouais, fait quelques t'avais commencé. tests, j'avoue que je sais plus dans le détail. Mais alors, après, je crois que j'avais dû essayer de faire des sous-catégories, mais je suis pas sûr que j'avais poussé pour l'instant jusqu'au bout. Effectivement, tu fais bien d'en parler, on peut faire des sous-catégories, c'est-à-dire que on peut faire une arborescence avec des sous-niveaux. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend l'exemple business d'avoir une catégorisation catalogue, on peut créer là, comme tu l'as fait, une catégorie produit, mais on peut aller plus en dessous en créant les catégories de produits et faire ce qu'on appelle du dive, c'est-à-dire que là, quand tu vas cliquer sur produit, ensuite, tu vas voir tes sous-catégories qui vont Ouais, s'afficher. tout à fait. Là, tu ne l'as pas fait, mais Non. ça permet de segmenter Donc à là, si je veux le différents faire, niveaux. je reclique ici sur ma catégorisation. C'est bien ça? Exactement. Non, alors comment je la modifie, la catégorie, du coup? C'est config des groupes en haut à gauche. Ah, ok. Oui. Ça, c'est un truc que je cherche toujours. Je suis toujours un peu perdu pour le retrouver. Ouais. Donc là, donc je suis sur ma catégorie Ouais. Produit, tu as 1. un Du petit coup, ouais, donc ouais, bouton ici j'ai la ajouter une. catégorie 1, ouais, et C'est ici, ça. je peux faire sous-catégorie. Sous-catégorie. Donc Et là, tu là, vas après, voir que toujours les déjà, mêmes règles. Ouais, tu ok. es. Forcément, une catégorie prend les règles de la catégorie d'au-dessus. Là, typiquement, ce que tu vois en dessous, c'est que tes produits. C'est Ouais, logique, hein, mais je tout à préfère fait. le repréciser. Et après, tu peux rescinder, effectivement, par différents motifs. Alors, je vois que tu as du casse-tête, tu as du jeu coopératif. Ouais, Tu aurais tout à fait. pu Après, il y a des choses. Le faire voilà, par sous-répertoire en Tout à dessous, fait. par exemple. Ok. Voilà, c'est ça encore. C'est assez puissant aussi quand on est sur des gros sites et que, tu vois, moi, j'ai travaillé sur des sites d'actualité où il me fallait absolument la segmentation dans ma catégorie actualité avec AMP et non AMP Ouais. pour voir comment ça réagissait parce que le comportement du robot, de Googlebot en général, etc., était très différent. Sur de l'AMP, Google, il y va, il s'acharne, etc. Alors que sur de l'actualité un peu plus classique, c'est un peu plus light. Ouais. Donc voilà, ça peut être super utile. Alors moi, j'avais noté des petites idées aussi que je n'ai pas implémentées, mais on pourrait regarder, donc on le disait tout à l'heure, par objectif SEO, alors peut-être par mots-clés, mais aussi on pourrait se dire, tiens, bah, ça, c'est des pages un peu longue traîne, moyenne traîne, top traîne. Ouais. J'avais noté qu'on pouvait se faire aussi des catégories pages utiles, pages inutiles, hein, bêtement. On peut faire ça, ouais. Peut-être par thématique, par type de page, on en a parlé, par mots-clés, donc de manière sémantique. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Et donc, on peut se créer jusqu'à 5 catégories, c'est ça? Tout à fait. 5 catégorisations. Cinq Cinq méthodes catégorisations de et catégories. après le nombre de catégories dans chaque catégorisation est illimité. D'accord. OK. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on voit du coup sur ce graphe-là? Ben, on retrouve, tu sais, en level 8, du coup, la pagination de ta Ouais. Donc là, catégorie. en effet, je n'ai pas fait des pages pagination, mais j'aurais pu dire que c'est de la pagination. Mais tout à fait, ouais. La bonne nouvelle, là, c'est que tous tes produits sont quasiment tous en niveau assez sympa. Ouais, on a quelques-uns là un peu perdus, mais ouais. Et on voit d'ailleurs que c'est la majorité de tes pages, hein, aussi. Ouais, 67% mais de oui. tes pages, donc très très important. Ce que tu avais mis dans module, c'est... Alors, en fait, c'était Ah, c'est les des plugins, hein, spider c'est ça. traps, grosso modo, pour utiliser Ouais. ce mot dont on peut parler, mais c'est des modules qui rajoutent des URL bidons, des choses qui servent vraiment à rien pour Google et qu'il fallait que je bloque. Donc, à D'accord. l'époque, j'avais fait ça pour les reconnaître. Et du coup, là, visiblement, elles ont été un peu. Enfin, en tout cas, en termes de crawl, elles sont bloquées. Elles sont peut-être encore là pour Google, on verra tout à l'heure, mais en termes de crawl, elles ne sont plus Ouais, effectivement, ça c'est quelque chose d'assez récurrent. À partir du moment où on utilise un CMS Ouais. avec des plugins qu'on ne maîtrise pas toujours. Et évidemment, à chaque fois qu'on installe un plugin, on ne va pas aller vérifier le code pour voir exactement ce qu'il fait et où.
Et certains plugins ont une fâcheuse tendance à pousser des URL avec des tonnes de paramètres, des fois de manière un petit peu infinie. Donc c'est ce qu'on appelle les spider traps. Ça peut être embêtant des fois, ça peut être 90% du budget de crawl. Ouais, tout à fait. Donc on le verra tout à l'heure, mais c'est l'importance aussi de surveiller ce que Google trouve, lui, en plus du crawl que l'on fait d'eau. On en parlera après. Alors, est-ce que tu veux qu'on descende un petit peu les catégories? Parce que je vois que le temps avance bien vite. Donc, on va Oh, avancer bah un on en petit a pas, peu. on a, disons On que va ça, aller un c'est le peu plus vite détail, là-dessus. Ouais. voilà, c'est le détail des pages qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est peut-être pas la peine de rentrer OK. dedans, mais en tout Ouais, cas, ça ça nous marche, permet oui. d'avoir le listing de toutes les D'accord. pages. Voilà, la Ouais, structure, du coup, tout à c'est le fait. global. Dans la structure, on a des pages crawlées et des pages non crawlées qui sont bloquées. Et Ouais. ensuite, dans toutes ces pages-là, on a des pages indexables et non Ok, indexables. super. Ça marche. Ok, donc là, c'est tout le détail de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Exactement. Alors, je vois que tu as une petite rubrique contenu qui permet d'avoir le nombre de mots par page. Tout à fait. Alors, Le fameux débat, là aussi. là aussi, en fait, il y a des débats sur tout, ouais, c'est ce qu'il faut le C'est clair. savoir. Mécaniquement, quand on écrit un contenu, on va dire plus riche, donc plus long, normalement, si on écrit relativement bien, on élargit automatiquement le champ sémantique de la page. C'est-à-dire qu'on a un vocabulaire varié avec des synonymes, etc. Donc, forcément, on élargit son potentiel de ranking sur de la moyenne traîne, sur de la longue traîne. Donc, c'est pour ça qu'il est souvent recommandé d'avoir des pages à fort contenu ranké. Alors, attention, effectivement, ça ne veut pas dire qu'une page avec peu de contenu ne peut pas ranker, parce qu'il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte, il y a les liens externes. Si la page a très très peu de contenu, mais qu'elle répond à une question de l'internaute, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un volume de réponses énorme, très bien, il y en a qui rankent sur des mots-clés concurrentiels comme ça. Mais c'est souvent le cas. Voilà. C'est pas, oui, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais c'est quand même Disons qu'on un critère augmente ses important. On chances, augmente ses chances, effectivement, exactement. Et de petite question, générer alors de. on le verra un petit peu après quand on va commencer à espionner un petit peu ce que fait Google. Toi, par rapport à tes analyses de log qu'on va voir juste après, Google, il a plus tendance à venir crawler des pages qui ont beaucoup de contenu ou il y a un rapport entre ça, entre la taille du contenu et le crawl ou Alors pas? oui, mais Ouais. oui, mais encore une fois, je n'aime pas faire de généralité. Mais par contre, si je dois faire une généralité, c'est les contenus frais, donc les contenus qui sont mis à jour. Là, vous pouvez être certain qu'il va venir picorer beaucoup plus souvent. D'accord. OK. Typiquement, voilà, quand on travaille sur du Google News, sur un site d'actu, ben, on va dire aux journalistes, à la rédaction, de mettre à jour le plus souvent possible quelque chose qui ranke déjà dans Google News pour le faire repasser au-dessus de la pile. Donc voilà, c'est quelque chose Et là, d'assez important quand tu même. le dis pour Google News, mais je suis sur un e-commerce pour les gens les e-commerçants qui nous regardent. Il faut ils doivent aussi suivre un petit peu cette recommandation, d'après toi. Ils doivent venir mettre à jour des pages Alors, catégories, des choses comme ça, ou ça a peu d'intérêt? dans l'absolu, oui. OK. Mais je sais à quel point c'est difficile pour un Ouais. e-commerçant de venir mettre à jour son contenu. Mais C'est clair. quoi qu'il en soit, Google, à partir du moment où on lui apporte de l'information qui est utile pour l'utilisateur, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un bon toutou, Google, hein. C'est un bon toutou. Si vous lui donnez à manger régulièrement, il reviendra vous voir. C'est exactement pareil, quoi. Si le contenu est mis à jour relativement souvent, bah, il va venir plus souvent. Et cet Marche. aspect de fraîcheur va à vous donner des petits points en plus, quoi, tout simplement. OK. D'ailleurs, là, sur tes pages qui ont entre 1000 et 1500 mots, j'imagine que c'est un boulot qui a été fait sur les produits. Tu peux filtrer via le filtre directement en haut. Tu peux cliquer sur la catégorie. Directement Alors, là, sur le 2001 à 1000 mots en vert dans la légende. pardon, ouais. Tac. Alors, tu m'as dit, je Ouais, clique sur sur la lequel? légende, vas-y, là, Ouais, tac, par celui-là, exemple. Hop. ouais. Ouais, donc on voit en dessous, typiquement, que c'est des produits. Ouais, il n'y a pas que Un des peu de produits, catégorie mais aussi, il y mais a un peu de produits. Ouais, beaucoup alors de c'est vrai produits. que Céline qui travaille sur le site
a fait aussi des efforts de son côté sur pas mal de fiches produits. Donc voilà. En plus, ça, pour le coup, ça paye. Hein. Le site en ce moment fonctionne, alors je vais dire malheureusement, très bien, vu qu'on ne peut plus acheter des jouets nulle part. En ce moment, c'est vrai que les sites de jouets ont tendance à pas mal cartonner. Ok, donc ça, intéressant en effet pour voir un petit peu où on se trouve. Alors celle-là, bon, ben, forcément, intéressante. Hein. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai pas beaucoup. En plus, c'est un PDF, donc c'est normal. Ah oui, ok, et j'avais pas fait gaffe, en effet. Ça, c'est les basiques du SEO. C'est pareil, c'est une des premières choses qu'on apprend, c'est que on doit remplir les balises title, description et le H1 avec potentiellement les mots-clés qui vont bien ou des synonymes, en tout cas, pas faire non plus trop le bourrin, on va dire. Mais c'est les basiques. Ces balises-là doivent être remplies. C'est déjà le minimum, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est vrai que je ne crois pas que tu le fasses dans l'outil, mais c'est vrai qu'on peut, on peut regarder aussi la longueur de cette balise, si elle est à peu près cohérente, vérifier s'il n'y a pas trop de contenu dupliqué dans ces balises-là, etc. Trop longue, okay. Trop courte. Alors les duplicates, on l'a fait, mais c'est juste que ce n'est pas encore public. D'accord, top. Mais effectivement... Mais effectivement, c'est utile parce que quand on voit des duplicates, par exemple, sur une balise title, ça peut être des paginations infinies, des choses comme ça, où la balise title est répétée sans arrêt et que le numéro de page n'est pas intégré dans la balise title, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça permet d'identifier d'autres problèmes. Ok, description pareil, mon compte, la même chose. Alors là, pour le coup, j'en ai. Pareil pour les H1 aussi. Ouais, là, il y en a un peu plus. J'en ai un peu plus, ok. Ouais, ça ne m'étonne pas, pour le coup. Parce que, alors, autant je suis un peu tranquille, parce que je pense que par défaut, le PrestaShop pousse une balise titre, quoi qu'on lui demande. Autant sur les descriptions, en effet, il ne doit pas le faire. Donc, ouais, c'est logique. Okay. Donc là, un peu de boulot. Et ça, c'est à Céline d'aller remplir ses petites descriptions, métadescriptions dans ses fiches catégories. Voilà, okay. Typiquement, tu peux faire un petit export, lui envoyer les pages. Ouais, et puis, tout à fait. Filtrer soit par catégorie, ça, c'est si important. Tu veux qu'elle bosse d'abord sur les catégories parce que tu juges qu'il y a plus de potentiel. Ouais, ou plutôt sur les produits, etc. Ouais, ok, top. Ouais, puis on a les marques qui peuvent nous intéresser aussi. Ouais, donc là, déjà, des petites axes d'amélioration sympa. Ça marche. Même chose pour les H1, donc je vois qu'il m'en manque dans des articles de blog. Bon, c'est normal, ces articles de blog, ils sont un peu désuets, donc... Ok, jusque-là, tout va bien. La page institutionnelle, on va dire, cookies, sécurisé, etc. Ouais, bon, là-dedans, c'est pas très grave, ouais, tout à fait. Alors, allez, je continue. Alors, ça va être intéressant, ça. Le top page rank. Bah, alors, qu'est-ce que c'est que ça, le page rank? On va reprendre un peu. Bon, en plus, page rank, c'est ce que je dis quasiment pas à chaque fois quand je vous interview, mais Google, il a dit que ça n'existait plus, il ne nous donne plus la petite barre verte en haut là, pour savoir le page rank. Ça fait longtemps. Hein. Et puis en plus tu me parles. Il a supprimé ça en 2008, quelque chose. Ouais, ça fait un moment. Hein. Et puis, je suis vieux, moi. Donc, et puis, le page rank, c'est des liens externes, normalement. De quoi tu me parles, là? Le PageRank tel qu'il a été décrit dans le premier brevet Google, donc c'est un algorithme de classement qui se base sur la popularité des pages, qui a été du coup fait par Larry Page d'ailleurs. Hein. C'est pas PageRank parce qu'on classe les pages, mais c'est parce que c'est lui de Page. C'est Larry Page. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est quoi? C'est de calculer la popularité d'une page dans un réseau. Donc, dans un réseau, le réseau, ça peut être soit à l'échelle du web, ce que fait Google, soit à l'échelle d'un site. Nous, quand on calcule un page rank, c'est ce qu'on appelle le page rank interne, donc au niveau du site. Parce que calculer un page rank au niveau global, c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas les mêmes infrastructures et les mêmes algos. C'est quelque chose qui est assez important. Puis si on voulait le faire, il faudrait du coup avoir la liste exhaustive de tous les liens externes, avoir déjà le page rank de ces liens externes, etc. Enfin, c'est quelque chose à calculer au niveau global qui est assez phénoménal, assez monstrueux. C'est clair. Mais l'idée, c'est quoi derrière ça? C'est de se dire, est-ce qu'une page est populaire? Et
une page est populaire si elle a des liens entrants, c'est-à-dire si elle a des liens qui pointent vers elle-même. Typiquement, en général, la page la plus populaire d'un site, c'est bien évidemment la homepage, parce qu'elle est linkée sur toutes les pages et elle a des liens partout. C'est pour ça qu'elle a un page rank, entre guillemets, de 10. Donc, comment est calculé ce page rank? Donc là, le page rank, la note maximale, c'est 10. Hein, du coup, là, 10, dans SEOlyzer, c'est de 20 à 10. Okay. Voilà, pour pas trop perdre les SEO, ouais, et leur apporter un petit peu de plaisir nostalgique, on va dire, c'est de 1 à 10 parce que Google, lui, effectivement, jusqu'en 2007-2008, avait une petite barre verte dans les navigateurs où on pouvait voir la popularité calculée de Google pour une page, qui était de 1 à 10. Donc, la popularité, en fait, c'est un système de vases communicants, c'est-à-dire que selon l'algo de Google, toute la popularité des liens qui arrivent sur une page est retransmise à un delta près vers les pages qui sont pointées par des liens sortants. Donc, tout ce qui entre sur une page, on va dire, on va prendre une valeur absolue, mais si j'ai 100, une valeur de 100 qui rentre sur une page parce qu'il y a 100 liens qui ont une popularité de 1, on va avoir en sortie 100 points à distribuer sur les liens qui sont pointés vers la page. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a, quand je dis un petit delta, c'est que Google dit qu'il y a un facteur de comment on peut appeler ça, de dégradation, en gros, où on dit que l'utilisateur, le surfeur aléatoire, il ne va pas forcément aller visiter une page derrière, mais il peut aussi s'en aller et aller voir toute autre page. Donc, en gros, on transmet dans le premier algo de Google, toujours pareil, on estime que la transmission, elle se fait à 85%. Donc, si on a 100% sans unité de popularité qui rentre, on en redistribue 85% derrière entre les pages sortantes de la, okay, de la page. Donc, c'est un calcul qui est fait au global. Alors, tu as fait un petit, utilisé un petit mot là, dont j'ai déjà un peu discuté, notamment, je crois, avec Laurent Bourrelli et Sylvain Perronnet. Mm-hmm. Tu as parlé de surfeur aléatoire. Je sais qu'on parle aussi de surfeur raisonnable. Toi, l'algorithme de calcul du PageRank, il est sur du surfeur aléatoire. Comment ça fonctionne? Alors, du coup, le surfeur aléatoire, c'est bien le premier brevet qui a été fait. Donc, en fait, le surfeur aléatoire, c'est que cette notion de PageRank et de base communicant, on l'associe à quelqu'un qui surfe sur le net. C'est-à-dire que quelqu'un arrive sur une page, la probabilité qu'il arrive sur une page, c'est les liens entrants qui pointent vers cette page. La probabilité qu'il aille sur une autre page à partir de cette page-là, eh ben c'est en fonction du nombre de liens qu'il y a dans la page. Donc, si vous avez 5 liens, il aura une chance sur 5, entre guillemets, de sortir de la page et d'aller sur une page suivante. Mais si vous avez 100 liens, ça va être 1 sur 100. Attention, hein, après, on a toujours ce petit facteur là de 15% dont je vous parlais tout à l'heure, où on se dit il ne va pas forcément sortir de cette page pour aller vers une autre qui est linkée, mais il peut aller aussi tout ailleurs sur le web. Donc, ça, c'est le surfeur aléatoire. Et il va, du coup, surfer aléatoirement sur une de ses pages suivantes ou ailleurs sur le web. Donc, ça, c'est le premier modèle, c'est la première modélisation que Google a faite pour calculer la popularité des pages sur le web, à l'échelle du web. Et donc, le surfeur aléatoire, qui est évoqué bien souvent, c'est la version, entre guillemets, suivante qui a été faite par Google. C'est-à-dire que le surfeur raisonnable, lui, il va prendre en compte que des liens, enfin, en tout cas, il va dégrader dans la page les liens qu'il juge pas forcément cliquable, dans le sens où si un lien est dans un footer, il ne sera pas forcément cliqué par un internaute. S'il est dans un méga menu, pareil. En gros, le surfeur raisonnable met en avant, privilégie les liens dans le contenu, central, interne à la page, ce qu'on appelle les liens in-text. Quoi. Ouais. Parce qu'ils ont plus de valeur, parce que tout simplement, quand quelqu'un lit une page, il y a beaucoup plus de chances que ces liens-là sont cliqués parce qu'ils sont dans le flux de lecture, hein, tout simplement. Ok, ça marche.
Alors, revenons un petit peu à cette page Top PageRank. Donc, tu m'affiches du coup les pages classées par ordre d'importance en termes de maillage interne. Entre, du coup, hein, plus les pages sont maillées et plus elles vont avoir d'importance et plus elles vont être vers le haut ici. Exactement. On peut le Donc, c'est traduire important en nombre de de. liens entrants, en fait, tout Ouais, le nombre de liens simplement, en entrants, ouais, interne. tout à fait. Exactement. Donc, moi, Donc c'est là, important logiquement, pour tu moi vas où d'avoir des déjà en pages termes importantes vers le haut. Si j'ai de... des pages importantes qui sont tout en bas, c'est pas normal. Et si j'ai des pages comme 194 filles, qui est peut-être très généraliste et que du coup, je ne suis pas sûr qu'on l'ait très très bien travaillée, celle-là, elle est pourtant très importante sur le site, alors que peut-être qu'on n'a pas été vraiment travailler la balise titre, le contenu, etc. sur cette page-là. Donc, il y a potentiellement c'est aussi des pages prioritaires à venir travailler. Alors, je vois le 3 de C'est GECO, ça. ça par contre, ça m'intéresse bien. Ça, c'est important. C'est une de nos pages prioritaires sur le site. Donc, ça, c'est plutôt une C'est une bonne marque, c'est nouvelle. Mais... ça? Ouais, c'est une marque, ouais, tout à fait. Donc après, il y a d'autres petites choses que je vois là au milieu qui sont beaucoup moins, pas forcément importantes pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a encore il y a encore du boulot de maillage interne. Et ça, c'est vrai que clairement, on le Alors, savait. l'idée derrière ça, c'est bien évidemment de linker au maximum sur le site les pages que l'on veut pousser. Ouais. Parce Après, que les ça linker de freine le manière maximum. logique quand même, quoi. Enfin, en gardant hein, une certaine. On va utiliser le mot pompeux de glissement sémantique, mais voilà, Oui, si de hein, on va peut-être naturel, pas etc. voilà, que ça soit Même très naturel, quoi. Ouais. si, attention, hein, quand on parlait de surfeur raisonnable tout à l'heure, j'ai pas dit que les liens étaient complètement annulés en footer, etc. Si tu Non. pousses ta page en footer, ça va quand même un peu marcher. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, c'est mieux de le faire sur des pages sémantiquement proches et intelligemment. De façon naturelle, quoi, tout simplement. À fait. Ok. Alors. On va, enfin, sauf si tu as d'autres choses que tu veux rajouter sur cette page-là. Sinon, Bah, c'est dans l'actualité, dans la saisonnalité, et beaucoup de sites de e-commerce le font. C'est que bah, typiquement, on a le Black Friday qui arrive. Oui. Les e-commerce, bien souvent, ont une page Black Friday Tout à bah, fait. qui conserve au long de l'année. Ouais, qui est un peu Quelques caché, semaines mais. avant, bah, ils vont venir la linker Tout à fait. progressivement pour que le jour J, elles soient en bonne position, tout simplement. Bonne remarque et bonne astuce, en effet, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, je vais passer au point après qui est un peu rigolo, et c'est la visualisation d'un site. Alors, j'en ai notamment parlé il n'y a pas très longtemps dans ma conf au SEO Camp à Lyon, là. Et alors, j'avais montré à l'époque une visualisation de cocon.se pour le coup, donc je n'avais pas pris la tienne. Et c'est vrai que j'avais plein de gens dans le public qui me disaient bah, c'est vachement bien ça, mais en fait, de toute façon, on n'y comprend rien, on ne sait pas comment y analyser. Alors, sur le tien, je ne sais plus trop comment on les voit s'il y en a, mais tu sais, sur cocon.se, ça fait des espèces de gros, comme des espèces de grosses chenilles, là, quand il y a des méga menus, des choses comme ça. Alors, moi, déjà, je repère ça. Après, je repère deux, trois autres petites choses, mais bah, ce n'est pas forcément si facile que ça à comprendre, c'est grave. Alors, je veux bien que tu nous donnes un petit peu, toi, tes astuces, tes techniques là-dessus, et Alors, tu nous montres peut-être des choses bien et pas bien, pour le coup. de prime abord, c'est pas forcément évident, hein, ça je le Non. conçois tout à fait, mais en faisant 4-5, les cas de figure qu'on trouve généralement sont toujours les mêmes. Et Exact. après, ça saute aux yeux. Alors forcément, là, sur ce site-là, tu n'es pas forcément un bon client. La structure est plutôt propre. Il n'y a pas de grosse couronne, effectivement. Avec des page rank faramineux et qui seraient linkés sur tout le site. Donc, ça, c'est plutôt propre. Juste en termes de visualisation, du coup, je précise que les couleurs sont en fonction de la profondeur. Donc, vous avez là au milieu votre home page qui est le gros point, hein, qui concentre le page rank de 10. Et vous avez autour les pages qui sont liées à la home page, etc. Si vous descendez dans des profondeurs trop importantes, les nœuds vont être orange, jaune, voire rouge. Chaque taille de nœud est fonction du page rank. Donc là, on voit que c'est quand même relativement bien réparti. Bon, il y a quelques pages qui sont sur un page rank là, de 3, 4, 5 autour de la home page, mais ce sont des catégories, donc c'est plutôt normal. Voilà, encore une fois, ce site est potentiellement est relativement propre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les petits nœuds qui sont en blanc sont les pages non indexables.
celles qui sont vraiment blanches, qui ont juste un petit contour gris. Ouais, et je vois C'est aussi. important de les voir parce que des fois, elles sont linkées de partout et on parlait du page rank tout à l'heure, mais quand on envoie du jus, quand on envoie de la popularité à une page qui est non indexable, c'est du page rank qui est perdu, Ouais, tout à fait. qui est jeté aux oubliettes. Donc du coup, autant ne pas en envoyer du tout. Et comme ça, il se diffuse mieux sur le reste du site. Mais là-dessus, moi, je peux te proposer, Et Christophe, pour le coup, tu vois, celle-là, des c'est pas petites. forcément normal, tu vois, la page magasin. Quoique si, je crois qu'on ne l'utilise pas sur site, donc ça, il devrait même pas y avoir de Bah, lien tu peux là-dessus. cliquer dessus, par exemple, pour avoir le détail. Tac. Et là, tu vas savoir pourquoi elle n'est pas indexable, Oui, bah, elle doit puisque être en no-index, elle hein. est A en priori, index, elle ouais. est en no-index. Ouais, c'est ce qui est Je ne marqué. sais plus si c'était un choix volontaire ou pas, il faut que je vérifie pour le coup. Elle est en no-index follow. Ouais. Voilà. Mais ce que je peux te proposer là-dessus, moi, Ouais. Christophe, c'est de te montrer des. Alors, si je peux D'autres partager mon choses? Ouais, alors écran. attends, du coup, moi je vais arrêter de partager de mon côté. Alors, je reviens là. Alors, pourquoi j'ai pas assez là-haut? Alors, j'arrête le partage. Je Ok. pense que tu as droit de partager. Je vais quand même vérifier que tu as bien les droits. Ouais, normalement, tu dois pouvoir partager. Ok. Super. Hop, partager ça. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, moi je vois ton écran, tout va bien. Super bien. Alors, là, typiquement, on a, tu vois, un cas un petit peu moins propre que ton site. La première chose qu'on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et que tu avais vu aussi sur cocon.se. C'est quand on a un méga menu ou en tout cas un menu qui est répété partout et que le page rank se concentre sur les pages du méga menu. Bah, typiquement, on a une couronne avec toutes ces pages-là. Donc là, on voit que le page rank, il est conservé entre guillemets sur ces pages-là et qu'il n'est pas suffisamment diffusé par ailleurs. Ce qui est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ce site-là? Il On y a plein de voit blancs qu'il et plein de y a rouges aussi, plein quoi. de blancs et du rouge. Plein de blancs, donc du coup, ça veut dire qu'on a plein de pages indexables, non indexables, pardon, et qu'on perd énormément de page rank un peu partout. Là, c'est vraiment jeté à la poubelle sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. On voit aussi, là, ces fils, ces espèces de spaghettis. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, bah, je l'avais mis d'ailleurs en haut. Ça, c'est de la pagination. D'accord. C'est de la pagination qui est crawlable, non indexable, mais voilà, qui est là et qui vivote en générant des gros spaghettis Ouais, comme ça. compris, compris. Et là, on a des problèmes de profondeur, du coup, puisque là, Ouais. si on est en orange, rouge, c'est qu'on est déjà à des profondeurs 6 ou 7. D'accord. Donc voilà, là, il y a pas mal de choses à faire sur ce site-là. OK. Un autre petit exemple. Wow. Assez sympa, ça c'est un plugin WordPress. D'accord. Enfin, c'est un site WordPress qui Qui utilise peut un un plugin plugin de juste pour partager, partage. ouais. OK. Exactement. On le voit là, share Ouais. égale LinkedIn. Ouais. Et donc, pour chaque page, on a au moins, allez, 5 liens qui partent vers du non indexable. Wow. Ouais. Et donc, ça, évidemment, pas terrible. Non, c'est clair. Puis en plus, ça surcharge le site, ça Ouais, surcharge le ouais, crawl d'une façon assez gigantesque. Gigantesque, pardon. Et voilà, un petit Oh, il est rigolo dernier. Ça, celui-là. ouais, il est marrant. Ça, c'est un site avec une page plan de site Ouais. où tous les liens vers toutes les pages ont été faits Ouais. au niveau du plan de site. Donc, ce qui fait qu'on a un site là de base, ici. Il n'y Ouais. a pas énormément de pages, mais voilà, si on le prend à part, bon, il est pas si mal, on va dire, même s'il y a un peu de page rank là, au niveau du menu. Ouais. Mais ça veut dire que bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages qui ont des liens que sur la page plan du site. Donc une page qui n'a pas forcément de Ah oui, valeur ouais. Ok, ouais, SEO, ce qui que n'a j'allais pas dire, ouais, de moi, j'ai contenu, pour le coup, j'aime etc. bien faire des petits plans de site comme ça, mais là, c'est qu'elles ont des liens que sur le plan de site. Ok. Bah là, le truc, c'est que Google lui préconise tout le temps de faire les choses pour l'utilisateur. Et là, c'est typiquement un exemple d'action qui est faite exprès Ouais. pour lui, quoi. Pour lui Ouais. donner Ouais. faire une page comme ça, autant pas s'embêter, hein, faire un sitemap, hein, tu vois, Ouais. c'est plus Ouais, rapide. tout à fait. Voilà pour Ouais, alors après, les ouais, ça après petits. tout, ouais, c'est pareil, ça fait partie des débats des SEO, ça aussi. Là.
La page plan, la page sitemap, on rentrera pas dans le détail, mais c'est vrai que là, la représentation, ouais, elle est quand même rigolote. Donc, en temps passé, c'est plus simple de faire un sitemap que ouais. d'aller créer une page avec tous les liens et de la mettre à jour, quoi. C'est surtout ça. Oui, clairement. Ouais. En temps passé, voilà. Voilà, là, je vous ai donné quelques petits exemples. C'est souvent des choses comme ça. C'est souvent des spider traps avec des liens qui se suivent en mode spaghetti. C'est souvent des méga menus avec des grosses boules autour de la home page ou des splits comme ça où on a deux parties de site finalement. Ça arrive souvent ça aussi sur les sites multilingues où on peut avoir des visualisations comme ça. Mais n'ayez pas peur de ces visualisations. Honnêtement, on en fait 2-3 et après ça rentre tout seul. Et qu'on est capable après de, là je parle pour ceux qui sont soit indépendants, freelance ou en agence, quand on arrive en avant-vente ou qu'on arrive chez un client avec ce type de graphe, c'est ultra parlant. Oui, à partir du moment où on sait le présenter, ouais, tout à fait. Voilà, ouais, parce que c'est visuel, c'est joli, c'est coloré. Les gens accrochent bien en général ce genre de graphe et c'est assez vendeur. Voilà. Ouais, moi c'est vrai que je mets systématiquement quand je fais des audits SEO, j'ai systématiquement ce genre de graphe dedans et je leur explique un petit peu aussi souvent où on est et où on veut aller quoi. Et comme ça ils voient un petit peu aussi la différence entre un site bien rangé et le leur et ils se disent ah oui en effet. C'est ça. Bah, typiquement, tu vois si on prend celui-là. Voilà, tu dis à ton prospect, bah écoutez, là, vous voyez qu'il y a, je dis ça au hasard, mais 60% des pages qui servent à rien, pour Google en tout cas, voilà, et qui prennent des ressources, etc. Voilà, c'est quelque chose à faire, quoi. C'est clair. Ok, voilà, pour cette petite top. Partie. Ouais, c'était top. Mais c'est vrai que c'est bien, comme tu dis, à partir du moment où on a un petit peu l'habitude, on arrive à voir ce qu'on a envie de voir. Alors moi, il y en a certaines que tu m'as montrées que je n'avais jamais vues, comme la dernière avec ta grosse boule en bas. J'ai jamais eu encore l'occasion de voir ça. Donc j'y penserai la prochaine fois que j'en verrai un comme ça. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille la formation de Fred Bobet là-dessus. Qui est un peu le spécialiste français, on va dire, des interprétations de ce style de graphe. Et moi, je l'ai faite, hein, c'est pour ça que j'en parle. Okay. Elle est vraiment bien. Donc, ok, super. Donc, merci. Je vous invite à la faire si vous voulez aller plus loin dans l'analyse. Et puis, pour ceux qui font du PrestaShop et qui veulent voir comment on peut se débarrasser de son méga menu, comment on peut ne plus avoir de soucis sur des facettes, des choses de ce genre-là, j'avais fait une vidéo puis une conférence là-dessus, justement sur le site Merlin, où je donne les petits bouts de code qui vont bien pour faire le boulot. Ah bah nickel. Top. Ok, alors, et bah du coup, si tu veux, on va... Alors, je vais peut-être repartager. Ouais, je repartage le visualizer. Il est là. Ok, donc dernière petite chose qu'on a dans le crawl, c'est des notions de performance. Donc là, pas de miracle, je sais que le site n'est pas rapide. Donc, en effet, je le vois. Alors, effectivement, ouais. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le crawl, on est capable d'enregistrer le temps de réponse de chaque page. Et c'est plutôt sympa parce que par rapport au budget de crawl, voilà, plus on est rapide et plus on sera crawlé. Plus on est crawlé, plus on augmente ses chances de s'indexer correctement, plus on est indexé correctement, plus on augmente ses chances de ranker. C'est tout bête, mais c'est comme dans une course automobile, entre guillemets, on a beau avoir le meilleur pilote, le meilleur SEO, on va dire, le meilleur business avec le meilleur produit, etc. Si on n'a pas la bonne voiture, donc c'est-à-dire si on n'a pas le bon site et qu'il n'est pas performant, ça va être compliqué. Donc, et puis là, je crois que Google a enfin annoncé qu'au mois de mai, ça rentrait officiellement en compte dans les algos de ranking, la performance, si je ne me trompe pas. Ouais, donc, ils ont fait une annonce, mais un moment après, je me méfie parce que c'est comme l'index Mobile First. Il y a eu des annonces et puis ça a été fait beaucoup, beaucoup de temps après. Ouais. Bon, après, est-ce que... Moi je pars de l'idée qu'il faut... C'était 2021, 2022, 2023. Ok, bon, on a vu toute la partie crawl. Alors maintenant, depuis le début, on parle que Google vient faire tout un tas de choses chez nous. Mais comment on sait ce que fait Google sur notre site? Et puis au sens plus large, pas que Google finalement, tout le monde. Donc là,
On entend beaucoup parler de ces histoires d'analyse de log. Donc, explique-nous un petit peu, ben, en quelques mots, ce que c'est qu'un log et toi, derrière, ce que tu, ben, ce qu'on peut en faire. D'accord. Alors, on va essayer de faire simple et succinct. Quand quelqu'un, que ce soit un visiteur ou un bot, consulte un site, visite des pages, il envoie des requêtes au serveur pour accéder à la page. Lui, le serveur, il a un logiciel qui s'appelle un serveur web, donc ça peut être du Apache, Nginx, etc. Il y a plusieurs technos autour de ça. Ce serveur-là, lui, qui est chargé d'envoyer la page à l'Internet ou au bot, il enregistre tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que si on demande la page de catégorie, ben je vois là, il y a décoration, par exemple, lui va dire, il va inscrire dans un petit fichier, voilà, telle adresse IP est venue visiter la page décoration à telle heure, je lui ai renvoyé un code 200 ou 404, je lui ai répondu en temps mi-temps, cette personne-là s'est identifiée via un user agent en tant que Firefox ou Chrome ou Googlebot. En plus, je sais qu'il venait de la page merlin-pimpin.fr puisqu'il venait de la homepage ici, ce qu'on appelle le resserreur, etc. Mm-hmm. Donc, pour résumer, le serveur web enregistre tout un tas d'informations sur tout ce qui est fait sur le site. Et ça, d'ailleurs, c'est je crois même que c'est ce que je veux dire, c'est légal, quoi. Donc, ouais, c'est une obligation légale. Donc, on est sûr que ça existe, quel que soit l'hébergeur qu'on a, il y a des logs. Et puis, c'est par défaut sur tous les serveurs web, de toute façon. De toute façon. Donc, voilà, ça, c'est des fichiers qui existent. Ils ont différents formats, etc. Mais on trouve énormément d'informations dedans. Et du coup, dans ces informations, on est capable de détecter ce qui concerne Googlebot et ce qui concerne des gens qui viendraient de Google, par exemple, donc qui viennent de visites organiques, de visites SEO, puisque le référeur, c'est Google. Voilà, on est capable d'analyser plein de choses via les logs. On pourrait aller plus loin, même sans parler de SEO, mais en termes de marketing, on pourrait analyser le parcours d'un client, par exemple, sur le site, jusqu'au tunnel de conversion. Voilà, les logs, c'est vraiment la liste exhaustive de toutes les choses qui se passent sur le site. Ouais, on peut finalement avoir dans les logs autant, si ce n'est plus pour le coup, d'informations qu'on aura dans notre Google Analytics ou notre Yandex. En fait, dans les logs, on a tout, puisqu'en plus, on n'a pas de... On va aller prendre même ceux qui ont bloqué le JavaScript et ces choses-là. Ok. Ouais. Alors, exactement. Du coup, toi, dans SEOlyzer, comment ça fonctionne pour aller soit chercher le fichier de log, soit analyser, je vois que tu as une analyse de log en temps réel. Comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Alors, il y a trois modes. Soit on fait de l'analyse de log en temps réel, c'est ce sur quoi on est parti au début de SEOlyzer, parce que moi, en tant que SEO, j'avais besoin d'avoir du temps réel, parce que quand on travaille sur des gros sites de presse, etc., on a besoin de savoir ce que Google fait en temps réel, c'est-à-dire que quand on fait une mise en prod avec une équipe de DevOps, par exemple, ou quand on a besoin de pousser des centaines de redirections 301, etc., on veut voir à la minute comment Google les ingère et comment il réagit. Parce qu'historiquement, la Search Console nous donne ces infos-là, mais elle nous les donne en décalé. Il y a toujours 48 heures minimum de décalage et 48 heures après, si on se rend compte du problème, il y a déjà du mal de fait, quoi, entre guillemets. On va passer beaucoup plus de temps à corriger le problème qu'on l'aurait fait dans le moment. Donc, pour moi, c'était super important d'avoir du temps réel. Là, typiquement, le temps réel, c'est quoi? C'est un petit programme à installer sur le serveur dédié et qui prend les logs du serveur web, donc de Apache, Nginx, etc., et qui nous les envoie sur SEOlyzer en live pour analyse, tout simplement. C'est un collecteur de logs et on filtre évidemment que ce qui est intéressant pour le SEO. On va pas s'amuser à prendre tous les logs parce que ça serait énorme, mais on garde ce qui est intéressant pour le SEO. Et important aussi, on anonymise ce qui est adresse IP. C'est important pour le RGPD. Oui, tout à fait. L'adresse IP est considérée comme une donnée personnelle. Exact. Donc, il faut anonymiser les adresses IP. Okay. Pour les visiteurs,
Attention, Googlebot n'est pas Tout concerné à par fait, oui, ça. c'est pas une Googlebot n'a personne. pas de données personnelles Tout à à fait. proprement parler puisque c'est un bot. Exact. voilà, donc ça, c'est la première option. Ok, donc là, On peut le faire. soit on pousse un petit truc sur notre serveur dédié, si on est en Exactement. mutualisé, on a un petit bout de code à rajouter Un petit code dans du PHP, PHP. exactement. Donc ça marche sur du PrestaShop, du WordPress, sur du Magento, etc. Alors, du Ça coup, peut. je sais pas pourquoi ma connexion est plantée, mais Oh, non, si la vidéo est toujours bonne. ouais, mais c'est Serializer qui est planté. Quand j'ai cliqué dessus, il se passe rien. Alors, Je suis attends, je vais essayer de surpris. refaire. Alors, je vais rafraîchir. Alors, Attends, je vais aller voir. Hop. Je vais aller voir chez moi. ouais. Oh, c'est bon, c'est revenu. Donc, il y a peut-être Mieux. une petite Petit lag de latence. Écoute, connexion. ouais. Voilà, donc Hop ici, là. j'affiche ce qu'il faut faire dans les Serializers. Si vous voulez le faire dans PrestaShop, c'est super simple. C'est vraiment une ligne à rajouter. Vous rajoutez ça, je ne sais plus dans quel fichier, mais Alors, ça, c'est je vous le dans mettrai en config commentaire. slash Ouais. config, c'est marqué juste au-dessus, dans l'étape 2. Ah oui, tu l'as mis pour PrestaShop ici. Ok, bah, Ouais, je voilà. l'ai mis Ouais. pour PrestaShop. Ouais, En fait, super. l'idée, c'est d'inclure ce petit fichier-là dans un fichier qui est appelé sur toutes les pages. Pour qu'on ait bien les infos exhaustives de toutes les pages, tout simplement. Alors, juste une petite remarque pour les gens qui font du WordPress. Alors, ça serait certainement vrai aussi pour les Presta, mais moi, je me suis fait avoir une fois et tu m'as expliqué très rapidement ma boulette. Sur WordPress, j'ai WP Rocket. Donc, forcément, ça génère du HTML. Il n'y a plus de PHP. Donc, du coup, tu logs plus rien. Hein. Enfin, tu logs C'est toujours ça. sur le serveur, mais toi, en tout cas, tu ne recevais plus Non, les infos. c'est pas une boulette pour le coup. C'est juste une incompatibilité entre guillemets, mais on travaille sur le sujet. C'est qu'effectivement, WP Rocket, lui, il court-circuite l'exécution du PHP. Il est rapide parce qu'il génère du HTML et qu'il sert du HTML directement sans exécuter le PHP à nouveau. Donc effectivement, si le PHP n'est pas exécuté, ça n'exécute pas le script de Serializer et on ne reçoit pas les données. Mais bon, après, il y a d'autres moyens. Donc après, bah voilà, Si vous êtes sur un Cloudflare, la par exemple, technique etc., il y a aussi. d'autres Ouais. moyens. Donc Mais là, c'est la technique, plus. ça a été que moi, j'ai envoyé mes fichiers de log que je suis allé récupérer. Et bon, ouais, moi, j'ai mes infos. Elles ne sont pas en temps réel, mais j'ai eu des infos malgré tout. C'est ça. Donc, il suffit de les récupérer chez n'importe quel hébergeur. Hop, on les drag and drop ici. Et puis, elles sont traitées et on accède au graphe d'analyse de log directement. La troisième option, c'est de le faire via FTP. Alors ça, c'est un petit peu à l'ancienne, hein, mais bon, il y en a beaucoup de gros clients qui nous ont demandé ça parce que c'est un peu plus dans leur process. Tout à fait. Donc ils viennent déposer toutes les nuits ou en tout cas tous les jours leur log sur leur compte directement en FTP. Ok. Bon, alors qu'est-ce qui fait ce Googlebot chez nous? Qu'est-ce qu'on peut voir dans ici au laser? Alors, je vois volume de crawl. Donc l'avantage là, c'est qu'on est en temps réel en plus. Donc là, ça va être diffusé plus tard, mais on est le vendredi 13 novembre et il est, je regarde sur mon portable, 11h29 et 11h29. on voit les derniers hits de Googlebot. Ouais, On tout à voit fait. 11h28 qu'il a été visité, la page guirlande, sticker, mural, mission espace. Donc voilà, le jour où il y a une Pense qu'il mission voulait décorer proche, son etc. data center, je pense que ça doit être ça. Oui, je pense, il crame pas assez d'électricité encore. voilà, je reviens sur l'aspect temps réel, mais ultra, enfin, moi en tant que SEO, j'apprécie d'avoir les données en temps réel et pas 48 heures, etc. Après. Sur ces données-là, du coup, on voit le nombre de hits de Googlebot par jour. Donc on peut suivre, voir si y a un pic un jour, parce que typiquement on a fait une mise en prod, je dis n'importe quoi, mais le article AMP par exemple, des choses comme ça. Alors, petite question moi que j'avais pour Oui. toi ici là sur les études que tu vas mener sur les crawls, tu les fais sur une période de 7 jours, de 10 jours, de 30 jours. Alors, en effet, si tu as fait des choses spécifiques, je vois bien, mais sinon, pour suivre un petit peu ce qui se passe de manière, enfin voilà, de manière Alors, pas. moi, j'aime bien avoir les logs comme outil. Je suis pas un bon exemple parce que je suis pas freelance et je suis pas en agence. Donc, je ne vais pas avoir un besoin ponctuel, mais moi, je vais avoir un besoin sur la durée. Et j'apprécie ça parce que finalement, le log devient un outil de monitoring et qu'on sait exactement quand il y a un truc qui a foiré suite à une mise en prod, etc.
C'est-à-dire que tu as toutes les données qui sont exhaustives sur un an et tu es capable de discuter avec l'IT, tu es capable d'avoir des billes pour engager la conversation avec tes interlocuteurs techniques. Parce que tu n'as pas juste deux crawl one shot à un mois d'intervalle et tu ne sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux et quand. Donc ça, c'est quand même super pratique. Après, il y a effectivement beaucoup d'analyses, on va dire, one shot pour les audits, etc. Et là, en général, on part sur du 30 jours. Parce qu'on estime que Googlebot, en 30 jours, s'il n'a pas crawlé l'intégralité du site, c'est que c'est pas qu'il y a un problème, mais normalement, dans la majorité des cas, Googlebot crawle l'intégralité du site dans les 30 jours. Après, il y a différentes méthodes. En fait, je me Vas-y, bats ouais, pour clique essayer sur de le mettre deuxième. plus de. Ouais, tac, Ok, vas-y. attends pour moi. Ouais, c'est bon. J'avais pas cliqué. Voilà. Ok. Donc là, tu as pris sur 2 mois, J'ai pris septembre, octobre, deux mois. sur. Ah oui, je voulais prendre un peu moins à la base. Je voulais prendre un peu plus. Je voulais aller chercher jusqu'à juillet. Je clique là. Hop. Attention, il est revenu sur l'autre Ah boîte. Je sais pas mince. pourquoi. Oui, Non, mais j'ai. c'est bon, là, elle est toujours valide. Pas sur l'autre, sur la Ah version 1. ouais, ok. Ah, je sais pas pourquoi il bascule. Ouais. Ouais, bizarre. Bon, mais c'est pas grave. Hop, Tac, voilà. hop. Je Ah, sais pas ce que je fais il de y a un bug dans mal. la matrice, là. Qu'est-ce que je fais de mal? Après, je reviens là. Et si je les tape directement, hein? Oui, tu peux le taper directement. Hein? Je fais un petit quart d'heure que je m'embête à Je suis chercher ça. étonné. Ouais, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, du coup, là, il me les Ah, tu l'as mis en août, affiche. mais tu peux résumer en faisant un drag and drop directement sur le graphe. Alors, un drag and drop. Tu sélectionnes la zone, en fait. Tu glisses sur la zone, tac, tu cliques avant le premier route. Enfin, voilà, tac. Et tu lâches. Pris Presque. peut-être trop à gauche, mais prends un peu plus à gauche que le premier route. Un peu plus à droite, pardon. Je dis n'importe quoi. Pardon. Bon, je ne sais pas. Prends vers la fin de août, peut-être. Là, ça devrait le faire, je pense. Yes, Voilà. ok. Ah oui, parce que j'ai. Voilà, tant que tu es encore un peu C'est. sur Et juillet, oui. du coup, il considère Ouais, qu'ils sont même dessus. puis peut-être parce que j'avais pas Et oui, commencé en plus, tu as commencé le 5 août, le donc 5 c'est août. peut-être pour ça. Ouais, ok. Ouais, est-ce que Donc, effectivement, là, on j'avais pas de voit. données avant qu'on ait commencé à jouer sur le site, on n'avait pas de données. Mais c'est vrai que là, on avait un peu plus fait de modifs sur cette partie-là. Donc on voit qu'il avait dû plus venir bosser. Ok. Ça Donc marche. effectivement, là, pour reprendre ta question, moi je suis plutôt sur 30 jours quand il faut faire du one shot. Après, il y a différentes méthodes, notamment chez Olivier de WebRank Info, où lui il préconise plutôt un an, Oui, souvent. tout à fait. Ouais. Nous, sur SEOlyzer, on va laisser la possibilité de le faire, voilà, de 30 jours à un an. Chacun fera comme il voudra. Et Ok. voilà, vu que c'est aussi sujet à débat. Chacun fera comme il le Donc, sent. pour la petite histoire, hein, juste pour puis aussi répondre un peu aux questions, hein, on voit que tout à l'heure, il était 11h28 quand on a commencé. Là, depuis, il a déjà venu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Hein, donc, on voit bien que Google passe son temps à passer chez nous, quoi. C'est assez bluffant. Enfin, je trouve ça, souvent, ça étonne mes clients quand je leur montre ça. Et, vous voyez, il est là, En permanence, il est en train il de est bosser en permanence et permanence, quoi. Ouais. on entend souvent dire aussi que Google vient par session. C'est-à-dire que s'il lit le robot TXT, c'est qu'il va venir crawler derrière X pages, etc. Mais en réalité, il lit ça, leur denonceur de crawl d'URL chez Google est très bien fait et c'est lissé toute la journée. Et il est même apte à voir si vous avez trop de trafic sur votre site et s'il sent qu'il ralentit le site, il va revenir plus tard. Donc, voilà, Ouais, c'est. ok. Ça, c'est chouette. Ok, donc là, on voit bon, ben, qu'il y a 3000. Dans la plus grosse journée, je fais 3500. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il voit 3500 pages. Il voit peut-être 50 fois la même, quoi. Alors non, là c'est des hits, donc c'est le nombre de hits au global. Il peut y avoir plusieurs pages, effectivement. Enfin, une page qui est visitée plusieurs fois Plusieurs par fois, Googlebot. c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, Exactement. ok. Ça marche. On bascule peut-être sur la vue par groupe.
Donc là, on reprend tout simplement les catégories de tout à l'heure. Ouais. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est avant tout tes produits qui sont crawlés. Et j'insiste sur le fait que sur les sites e-commerce, c'est très rare d'avoir cette vue-là. Donc bravo Christophe. Merci. Et là, on voit que les catégories, tu vois, les catégories, il y a quand même un effort qui est fait dessus, mais elles ne sont pas très, très crawlées. Alors, on représente 3% du crawl global. Ça, pour moi, ça fait partie des choses que je voudrais améliorer, pour le coup. Ouais, ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, on les marque aussi. Tout à fait. La homepage n'est pas tant crawlée que ça, tu vois. Non. Ouais. C'est pas là où Google trouve son bonheur, a priori. Les pages édito non plus, mais. Ouais, c'est normal. Pour le coup, sur les pages édito, il n'y a pas d'effort qui a été fait. Ouais, ouais. Pas édito au sens. Ouais, enfin, on a 3 pages de blog qui se courent après. C'est vraiment un boulot qui doit venir. Donc, c'est pertinent. Par contre. Mais bon, Céline, en ce moment, elle passe son temps à faire des colis, donc elle n'a pas le temps d'écrire. Oui, bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, tant mieux aussi. Tant mieux pour elle. On voit que les modules, par contre, c'est 2%. Ouais. Donc c'est ce qui n'était pas découvert par le crawler c'est de Serializer tout à l'heure, mais qui est connu par Google. Tout à fait. Donc, il faut garder en tête que. Et en l'occurrence, tu vois, c'est beaucoup de PayPal, de Facebook, des choses qu'on n'aime pas, dont on a parlé tout à l'heure. Là, tu avais ton exemple de LinkedIn tout à l'heure. Bah, c'est un peu le même genre de choses. Peut-être un petit peu de nettoyage exactement. À faire là-dessus. Oui, tout à fait. Avant de lui bloquer l'accès, par exemple. Ouais. Et pas faire l'inverse. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Mais oui, bien sûr. Non, j'ai pas grand-chose à dire là, Christophe. Ton site est propre. Mais l'essentiel, c'est que ça permet de voir qu'on. 94% de crawl sur les produits. Mais aussi dû au fait que bah, y a beaucoup de produits avec, on l'a vu tout à l'heure, avec forcément. Du contenu. Il ouais, y a eu un fait. Effort. Donc là, c'est bien parce que ce site-là, c'est un exemple des bonnes pratiques, quoi, tout simplement. Et on a encore pas mal de choses à faire pourtant, mais on avance petit à petit. Ok. Donc là, c'est vrai, mais c'est vrai que bon, c'est comme on dit tout à l'heure, hein, si on a aussi créé des catégories en se disant page utile, page inutile, et qu'on se rend compte qu'il passe son temps sur des pages qui ne servent à rien, bah, ça va être des axes d'optimisation. Et on peut vraiment aller très fin dans la. Ce qu'on va faire incessamment sous peu sur Serializer, parce que c'est beaucoup demandé, c'est de faire la liaison avec Google Analytics. Ouais. Et c'est-à-dire que si Google Analytics est bien tagué et qu'on traque bien les conversions, en euros, j'entends, ou en nombre de conversions, hein, en fonction des thématiques. L'idée, ça serait pour moi d'avoir, par exemple, d'avoir une catégorisation sur les pages génératrices de CA et les autres, tu vois. Parce qu'il y a toujours la règle des 80-20, de se dire, voilà, celle-là, bah, effectivement, sur mes produits, j'ai 80% des produits où j'ai fait un effort SEO, j'ai fait du texte, etc., mais elles ne convertissent pas, ce n'est pas forcément un produit qui plaît. C'est ça. Bah, peut-être qu'il faut que je concentre mes efforts sur ce qui me rapporte du business. Et cette catégorisation-là est possible sur un outil de ce type, du coup. Ça peut être intéressant. Ok. Alors, bon, il y a 2-3 petites choses dont on parlera peut-être plus tard, ce que je voulais. Bon, on peut en parler tout de suite, mais je saute un petit peu des blocs, mais je vois que tu as une catégorie des pages les plus crawlées. C'est un peu ce que tu venais de dire. Ça va être aussi intéressant de regarder bah, quelles sont ces pages qui sont le plus crawlées. Est-ce que c'est des choses qui sont pertinentes pour moi? Est-ce que par hasard, j'aurais des pages qui sont énormément crawlées, mais que finalement, ça n'a pas d'impact, pas de visite sur le site? Donc là, il peut y avoir des choses croisées à faire par rapport à ça, comme tu le disais avec Analytics derrière. Donc ça peut être très sympa. Après, voilà, s'assurer qu'on n'a pas des pages... des pages sans intérêt qui sont trop crawlées, et inversement, est-ce que des pages avec beaucoup d'intérêt sont pas beaucoup crawlées? Il faut essayer de voir tout ça, et si c'est le cas, c'est qu'à un moment on a des soucis techniques. Ouais. Là, tu as beaucoup de produits, ouais, c'est même énorme. Vois, tu vois, tu as 582 hits sur 30 jours. Page, ouais. Là, j'imagine que c'est un produit beaucoup très vague. Je vois pourquoi. J'avoue que je sais pas là, dans le détail, je suis pas rentré à ce niveau-là encore de. Sur le site, et là, il faudrait que. Quelque chose qui influe beaucoup aussi hein, sur la fréquence de crawl d'une page, c'est le nombre de liens externes. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Il suffit que cette page-là de Poupée LOL Sparkle soit bien linkée par ailleurs sur le site, des forums, etc. Et forcément, Google va suivre ces liens en crawlant l'autre site et va venir rajouter des hits sur cette page-là. Ok.
Allez, je reviens un petit peu dans l'ordre quand même pour ne pas perdre le chemin, le cheminement. Donc, on voit ce que Google fait et quel type de statut il se prend. Donc, pour le coup, tout à l'heure, on n'avait que 1% de 404, je crois, dans notre crawl SEO. Là, on voit que Google s'en prend quand même 7%. Donc, ça, ce n'est pas bien. Là, Il y il en va a y un peu avoir un plus, peu ça de veut dire boulot. que qui revient relativement souvent dessus aussi Voilà. et qu'il en connaît certainement qu'on n'a pas forcément vu Ouais, en crawl. tout à fait. Je sous-entends par là des produits qui ont expiré que Et donc qui sont plus toi-même liés tu dans la n'as pas structure. forcément Et ouais. connaissance, hein, Ouais, parce que tout à c'est fait. toujours pareil. Bien En tant sûr. que consultant SEO, on récupère un site, mais on ne sait pas forcément ce qui s'est passé avant. C'est l'intérêt aussi de l'analyse de log d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à C'est fait. que Google connaît tout de votre site depuis le début et que s'il y a une page qui a existé à un moment, il va continuer à aller la vérifier de temps en temps. Et il va vous dire, au fait, moi je connais cette page, toi tu la connais peut-être pas, mais moi je la connais, donc C'est ça. si possible, fais quelque chose avec, quoi. Ouais. Donc pas mal de 404, effectivement, on voit qu'il y a de la 301, de la 302 et de la 503. Alors la 503, ça peut être intéressant de regarder, parce que 503, normalement, c'est un code de maintenance. Ouais. Pourquoi il y a eu cette 503-là, ce jour-là? Est-ce qu'il y a eu une maintenance? Est-ce que... Je Peut-être connais qu'on pas très très bien avait... PrestaShop, mais est-ce qu'il peut-être il s'est mis à jour et qu'il se met en 503 tout seul? Normalement, non. En plus, Bonjour. à minuit, tu vois, donc je doute que j'ai fait quelque chose le 10 novembre à minuit sur cette page. Enfin, c'était hier, c'était quoi, non, mardi soir. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur cette page 503. Peut-être que l'hébergeur Enfin, arbitre peut-être une l'hébergeur, machine, tu vois, peut-être, ça peut être plein de trucs, mais bon, il n'y en a qu'une, alors ça va. Mais voilà, ça permet de suivre vraiment de manière exhaustive ce qu'on sert à Google. Donc finalement, c'est un peu je vais un peu insister là-dessus, mais la Alors, vérité vraie de ce que Google fait sur le tiens, ça site, c'est rigolo. Tiens, regarde ici, là, le 13 novembre à 11h35, les deux, là. Je dis une bêtise ou c'est la même page, là? Alors, c'est pas la même page, je pense qu'il a tapé sur le HTTP, qu'il a Ah été oui, redirigé. c'est ça, C'est oui. juste que OK. vu que tu as une intégration là, via PHP, on OK, connaît pas compris. forcément Ça le marche, oui. Donc, il protocole a de un lien backend. quelque part sur le PH, le Ouais. HTTP. Ouais, OK, compris. Ça marche. Généralement, c'est ça. Mais ça, c'est valable juste pour l'intégration Ouais, PHP. C'est compris. pour Oui, les parce que intégrations serveurs j'avais dédiées. pas l'habitude de le, j'avais pas fait attention que je voyais ça habituellement, mais ouais, OK, ça marche. OK. C'est marrant parce que tu vois, du coup, il a suivi la 301. À 11h35 et 40 secondes, il a mis l'URL suivante dans sa queue, dans sa file d'attente, et il est venu la voir que 13 secondes après. C'est pas Ouais. immédiat. Voilà, quand je disais tout à l'heure que Google fait des sessions de crawl, etc., donc il a un ordonnanceur qui priorise les URL. OK. Super. Allez, j'avance. Alors, desktop versus mobile. Ça, c'est intéressant, ça. Alors ça c'est intéressant, c'est qu'en fait quand Google vient consulter une page via le user agent qu'il utilise, il se déclare soit mobile, soit desktop. Et ils ont communiqué, alors ça date un petit peu maintenant, mais en disant voilà, si votre site est optimisé pour le mobile, vous allez basculer vers l'index mobile first. Et c'est ce qui est préconisé par Google, hein, que votre site soit compatible mobile à 200%. Et comment vous pouvez le vérifier? Ben, en vérifiant que le user agent mobile fait la majorité des demandes, des requêtes, des hits sur votre site. Donc là, c'est le cas. Tu vois, là, ils disent qu'ils devaient passer aussi en mobile first intégral. On n'y est pas encore. Ouais, clairement, ouais. Pourtant, il y a beaucoup de communication, mais on n'y est pas encore. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un C'est problème de fou. bascule chez eux, etc. Mais les user agents desktop sont toujours massivement utilisés. Petite parenthèse, parce que je pense qu'on a l'option. Quand je lance un crawl sur SEOlyzer, je peux choisir le user agent desktop mobile de ton côté? Tout à fait, le desktop ou mobile, ou OK. Ou un autre, bien quoi. souvent, l'IT aime bien avoir un user agent Ouais. C'est ce que j'allais particulier dire, pour un petit à nous autoriser, cacher, quoi. Ouais. voilà. Donc vous vous mettez d'accord et vous pouvez Ça marche. entrer un petit user agent custom personnalisé. Ouais, tout à fait. OK. Ça marche.
Alors ça, du coup, ça va pas marcher Non, en non, live, parce que mais du coup, si, ouais. en live, Enfin, ouais, là, tu n'auras que du HTTPS. avec l'intégration PHP plutôt, Mais ça marche, ouais. bon, la majorité des sites sont passés en Oui, HTTPS tout à fait. normalement. Mais bon, après, ça peut être intéressant si, typiquement, dans un site que tu as migré en HTTPS, mais où tu n'es pas venu corriger tous les liens, bah, tu te retrouves avec potentiellement des milliers de 301 là au milieu. Et pareil, on le voit, Google, il va passer deux fois, il va perdre du temps, quoi. Donc, il faut bien Ouais, les puis il corriger. suffit que j'ai eu le cas récemment sur un site assez conséquent, une migration HTTPS qui a été faite, mais il y a longtemps, hein, il y a 3 ans, et il y a toujours 30% de 301 pour Googlebot. Ouais, c'est Pourquoi? fou, hein. Parce que tous les liens, en fait, il y a eu une espèce d'heure de gloire de ce site-là où il y a eu énormément de liens externes. Externe, Et eh tous oui, ces ils liens sont sur externes-là le, sont bien sûr, HTTP. eh oui, forcément. Donc Google les reçut à chaque fois. On On a peut beau rien mettre faire, 301, il, voilà. Du temps qu'il y a une ouais, bien porte sûr. d'entrée sur le HTTP, il va continuer. Ad vitam aeternam. Ouais. Donc, perf, ben, on n'est pas étonné, elles ne sont pas super, mais on l'avait déjà vu dans le crawl. Donc là, du coup, ça nous montre, par rapport à notre crawl à nous, c'est le temps que met réellement lui Google pour analyser les pages, hein, c'est ça? Exactement. C'est Ok. le temps qu'on met pour donner la page à Google. Ça Donc, on marche. n'est plus juste dans la simulation du crawler SEO, mais on est vraiment Ouais. là dans la La réalité. réalité. Ok. Les plus crawlés, on l'a fait Donc, on tout à en a un petit peu l'heure. parlé tout à l'heure. Alors, un truc qui est nouveau, les badbots. Pourquoi je ne suis jamais forcément allé voir ça et je Alors, vois les que j'en badbots, ai là. c'est. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Eh Googlebot, lui, se déclare comme Googlebot oui. quand il vient sur un site. Mais. On peut tout à fait, bah, ce qu'on disait aussi, c'est que via n'importe quel crawler, on peut se déclarer comme étant Googlebot. En termes de Oui. user agent, on peut tout à fait reprendre le user agent de Googlebot desktop ou mobile et dire qu'on est Googlebot. Heureusement, Google a des adresses IP bien particulières qui commencent en général par 66.249. Donc, on est capable, et nous, c'est ce qu'on fait chez Osseolizer, de détecter les adresses IP qui se font passer pour Googlebot, mais qui n'en sont pas. C'est ça qu'on appelle les bad bots. Alors, sur ce site-là, c'est pas, voilà, il n'y a pas des volumes faramineux, mais cette méthode-là de se faire passer par Googlebot est énormément utilisée dans les milieux concurrentiels où les concurrents vont aller scraper les prix des voisins. Pour se mettre à jour, par exemple, etc. Et bah, quoi de mieux que d'utiliser le user agent de Googlebot, parce que personne ne va bloquer Googlebot, clairement. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant suite à la demande de clients où bah, eux, ils avaient par contre des volumes, c'était des millions de pages crawlées par des concurrents pour récupérer des prix tous les dimanches soirs de 23h à 1h du matin. Et du coup, bah, ils ont pu identifier les adresses IP et les bloquer. J'ai un client qui fait ça, qui a un outil de comparaison de prix. Il faudra que je vois avec lui. Alors, ça fait pas bien longtemps qu'on bosse ensemble. Que je vois avec lui s'il se déguise en Googlebot ou pas. Je vais jamais demander je vais jamais C'est poser la question. assez fréquent en Je général. pense qu'il doit le faire. Ouais. Ok. Alors, nouvelles URL. Donc, les URL crawlées pour la première fois. Depuis le début de l'analyse. C'est-à-dire Ok, oui. que forcément, au début, quand on branche l'outil, toutes les pages vont être nouvelles, puisqu'elles ne sont pas dans l'outil. Par contre, au bout d'un certain temps, au bout de 30 jours, 60 jours, etc., toutes les nouvelles pages qui sont crawlées par Googlebot vont apparaître ici. C'est assez sympa pour voir, par exemple, quand on connaît la date de publication, que ce soit d'un article ou de jouets, ou etc., de voir le temps que Google met pour indexer la page, par exemple. Exact, Enfin, pour déjà la crawler dans un premier temps, puis ouais. l'indexer par ailleurs. Ok. Intéressant. J'avoue que je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais si je regarde par exemple aujourd'hui, donc aujourd'hui, je vois qu'il a découvert la fameuse page d'aventure du rail là qu'on a vue tout à l'heure. En tout cas, c'est la première fois qu'il la voit. Et, ah non, il l'a vue. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est venu la voir plusieurs fois quoi. Aujourd'hui, on voit. Ah non, c'est pas la Alors page là, là, c'est la liste de toutes les tu as pages. toutes Ouais, les toutes les pages. pages, pardon. Ouais, autant Il y pour a de la moi. pagination aussi. Ouais. Surtout les graphes, hein, tu as le graphe et les données du graphe qui sont détaillées Ouais, ensuite tout à fait. pour Exact. pouvoir filtrer, etc. et pas Ouais. aller
à chercher dans Excel. Ouais, c'est rigolo. Il est allé chercher des pages, une page 68 aujourd'hui, qu'il n'était jamais allé voir jusqu'à maintenant, quoi. C'est rigolo. Page fille, budget garçon, c'est des facettes, ça, non? Alors, en fait, c'est même pas. Enfin, à la base, c'est un module de facettes qui fait ça, mais c'est un espèce de petit wizard, en fait, qui est sur la page d'accueil du site, qui permet de dire voilà, ton enfant, il a de tel à tel âge, il cherche tel type de. C'est un garçon, une fille, puis ça génère des suggestions, en fait. Mais D'accord. c'est un peu. Voilà, ça génère un peu des liens comme ça dans tous les sens. Et. Bon. Surtout que il n'y a pas seulement des paramètres, j'ai l'impression qu'il y a des motifs de l'URL dans les Exactement, ouais. répertoires qui sont modifiés aussi. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Donc c'est des choses qu'il faut que je creuse un petit peu, ça pour voir ce qu'il faut que j'en fasse. Ok, allez, bande passante. Là, on n'a pas cette info-là Le mode PHP. sur le mode PHP. On l'a que via des serveurs web qui sont capables de dire bah, cette page-là, elle faisait 5 kilo-octets, 100 kilo-octets, etc. Ça permet de voir s'il y a des pages un peu trop lourdes en termes de code. Ça marche. Alors, je vais juste reprendre un petit peu mes notes, voir si cette partie Googlebot, il y avait des choses que je voulais qu'on voit. Je ne sais pas si de ton côté, parce que là, on va passer un peu sur la partie visiteur rapidement, puis quand même passer un peu de temps sur la partie analyse croisée, qui est quand même la plus très intéressante. Non, bon, a priori, on est pas mal. Bon, après, oui, on va revenir sur plus ça dans la partie analyse croisée, mais voilà, cette notion de taux de crawl, taux de page active, etc., c'est des choses qu'on va voir par la suite. OK. Alors, on a à peu près les mêmes visions pour les visiteurs SEO, hein, du coup. Donc, on retrouve le nombre de visites SEO. Donc là, bah, Exactement. forcément, je suis sûr aujourd'hui, mais En si je réel. reprends les 30 derniers jours, je vois un petit peu ce qui se passe. Donc, J'insiste encore sur le temps réel, mais il n'y ouais. a pas si longtemps que ça, il y avait Google Analytics qui avait planté. Et Ouais. sachant qu'en plus, Google Analytics, il y a déjà un délai de 3-4 heures, je crois. À part pour l'option temps réel où on voit le nombre d'utilisateurs temps réel, mais Oui, OK, tout à les fait. données, on va dire exhaustives, brutes, où on a toutes les infos, elles arrivent un petit peu plus tard. Et là, quand vous avez en temps réel et que GA est planté, par exemple, bah, ça rassure. Ouais, c'est clair. Alors là, c'est rigolo parce que pour le coup, on voit. Alors, j'aimerais bien dire que c'est qu'on a énormément boosté en termes de SEO, mais je ne suis pas persuadé. Mais il y a un bel effet confinement, hein, puisqu'on peut passer de 200 visiteurs au 15 octobre à Tout à fait. 600 en ce moment. Donc, Ça a été relativement progressif en plus. il y a, voilà, depuis le démarrage du confinement, on voit que les gens font beaucoup plus de recherches sur Internet et peut-être même encore plus depuis qu'on a plus le droit d'acheter des jouets nulle part. Donc c'est sûr que bah, du coup là elle fait 4 fois plus de colis que le 15 octobre. ouais, mais alors Si le même taux pour de le coup, conversion n'a pas le taux de bougé, mais conversion a bon. explosé en même temps. En Donc, plus, donc ok. ouais. OK. Ça marche. Donc là, on retrouve les mêmes choses, les visites par groupe. Alors, deux petites nouveautés. Par groupe, on voit que pour le coup, c'est rigolo, ça, depuis le 15 octobre, depuis à peu près justement cette histoire de confinement, on voit qu'il y a pas mal de homepage qui arrivent. C'est Ouais, tout à rigolo. fait. Est-ce qu'il Alors, y a eu peut-être une opération notoriété, marque, un petit peu, la mais pub? voilà, je pense que c'est aussi qu'elle a une bonne base de clients qui doit aller bah, directement taper. Ouais, La home direct, page quoi. pour aller acheter Et puis, tu as Noël qui arrive, les là. gens Ouais, commencent à c'est se demander aussi. est-ce que je vais pouvoir acheter mes Mais cadeaux c'est vrai qu'on jusqu'au voit bien dernier que la moment. Donc, bascule, elle se fait quoi vers le 29, quoi. On voit que ça recommence bah, vraiment. Et c'est par c'est là hein, juste le qu'on a jour été J du confinés, je confinement, crois. quoi. Ouais. Ouais. C'est C'est rigolo, marrant, hein. Ouais. mais ouais. On Alors, devait les s'y attendre. pages les plus visitées. Donc, ben, on retrouve cette Forcément, fameuse home la home page. Hein. page. Et puis après, une catégorie sur Ah, laquelle t'as on est une page plutôt bien de positionné dans PYX, là? Google. C'est une marque ou C'est une c'est. marque, ouais. Donc c'est une marque sur laquelle on est plutôt bien positionné, même si ce n'est pas plus forcément aujourd'hui un choix stratégique. Mais puis alors, on a un truc rigolo que j'avais vu aussi dans la Google Search Console. On a beaucoup de recherches sur la main hydraulique. Voilà. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la main Hydraulique. hydraulique, Non, mais bah bon. je. Voilà, la main hydraulique, Tu m'intrigues. c'est voilà. Tu vois, je ne connaissais pas cette main hydraulique, mais Ah oui, ok, d'accord. voilà. Ah oui, c'est un truc à construire et tout. Non, c'est fun. Je ne sais même pas exactement, mais écoute, on a pas mal de visites là-dessus, Mettre donc 150 pièces, c'est ça rigolo. doit être un truc à la mode en tout cas. Ouais, exactement, ouais, tout à Je demanderai à mes fils. fait. Alors, tu as après visite SEA.
Donc là, tu es capable de voir si on fait du AdWords. Exactement. Du coup, là, on voit que ça a été activé le Ouais, 4 novembre. exactement. C'est du Alors petit, c'est là, du encore une fois, AdWords c'est... local, tu sais, c'est du, je sais plus comment ils appellent ça. Moi, je suis pas du tout un expert en AdWords, mais c'est pour amener des gens tu vois, le click and collect, on va dire ça. Géolocaliser, Ouais. oui. Alors, cette fonctionnalité, encore une fois, elle a été demandée par des clients. On fonctionne beaucoup comme ça, hein. Sur SEO Laser, on a une structure souple, donc on fait en sorte d'apporter des nouvelles fonctionnalités qui servent vraiment aux clients. Et là, en l'occurrence, c'était des campagnes sur un client. Et malheureusement, il y a pas mal d'annonces qui, au clic, arrivaient sur des erreurs 500 ou des 404. Et il allait voir la personne en charge du SIA qui lui disait, bah non, tout fonctionne très bien, etc. Tout va bien. Donc il avait besoin de matière et de savoir bah, qu'effectivement, tel clic à telle heure, telle adresse IP était tombée en 404, 500, et c'est-à-dire qu'on payait pour rien, quoi, typiquement. Ça Ok, permet ouais, bah oui, voilà, c'est de clair voir que. s'il y a des Ouais. campagnes qui ont été coupées, par Bah exemple. oui. Là, par exemple, tu vois, il y a eu un trou sur le 9, 10. A priori, ça a été stoppé. Enfin, voilà. Ça permet d'avoir un petit suivi, Ouais. parce que le SIA et SEO sont toujours un peu connexes. Tout à fait. Ok. Allez, le suivant qui est intéressant. Alors, page active unique par jour. Alors. Je vais reprendre la notion de page active dont on a Ouais. discuté tout à l'heure. Ce sont les pages qui sont visitées et par quel canal? Par le SEO, donc en provenance de Google, là, en l'occurrence. Et quand on dit unique, du coup, c'est le nombre d'URL unique. C'est-à-dire qu'on ne compte pas toutes les visites, mais on compte une visite maximum par page. Donc là, c'est intéressant de voir que ce nombre de pages actives uniques, il augmente. Donc ça veut dire que... Ben on a un panel de visites qui correspond à un panel de produits plus large, puisqu'on a vu aussi que la homepage était beaucoup consultée tout à l'heure, mais là, ça écrase un petit peu cet effet du nombre de hits sur la homepage, et ça permet de suivre de manière claire si c'est toujours les mêmes pages ou pas qui rapportent du trafic, ou là, dans ce cas-là, si ça s'élargit et que du coup, on élargit un petit peu le champ sémantique aussi et qu'on arrive à faire plus de trafic plus généralisé, quoi, enfin plus large, tout de même. Ok, et donc on peut, comme d'habitude, aller voir un petit peu Voilà, par catégorie ce qui se refiltrer passe. par Ok. catégorie de page. Donc là, on est sur du produit, Sur donc du produit, ouais. c'est plutôt pas mal. Ok, top. Tu as vu que tu as quand même des visites Ah, aussi sur les. excuse-moi. Sur tes fameux, sur tes filtres, tes advanced search Ouais, pages, c'est page, ce qui n'est tu pas as. normal, tu vois, il y a une petite partie des gens qui doivent venir sur ces pages liées au wizard, mais finalement, c'est Ça pas veut non dire que plus dans ta grand-chose, quoi. réflexion de les bloquer, du coup, bah, peut-être pas forcément. Il y en a peut-être qui sont Ouais. pertinentes, tu vois, Ouais. et qu'il faudrait même Alors, retravailler en fait, direct ouais, sur. alors c'est vrai que ça va, et tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, il y a des pages là-dedans. Alors, il y a des choses qui sont liées à ce wizard, mais il y a aussi des pages qui sont des pages de recherche qu'on a fait le choix de créer, entre guillemets, en tant que vraie page, où on peut mettre une description, une balise titre, et justement pour qu'elle puisse venir s'indexer. Donc, il y a des choses qui sont volontairement faites là-dedans. Il faudra regarder dans le détail s'il y en a. Là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a des pages qu'on veut pouvoir créer. Je dis n'importe quoi, voilà, tous les jeux de moto. Eh bien, ça peut être intéressant de venir. Alors, si on n'avait pas ça dans une catégorie, ça peut être intéressant de venir une page de recherche, Ouais, d'avoir mais qui une soit landing indexée, quoi, page indexable. adaptée, Ouais, ouais, tout à tout à fait. fait. Alors, tous les logs, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est Bon, donc tous on les logs, retrouve. c'est Ouais, d'accord. si vous voulez filtrer sur les données brutes, par exemple, OK. visite ou que ce soit utilisateur ou Googlebot confondu, voilà, Ça vous marche. avez là tout ce que SEO Laser reçoit. C'est top. Alors, on arrive dans la partie la plus importante, même si ça fait déjà un petit moment qu'on bosse. On a vu plein de choses super. Cette partie analyse croisée, c'est ce qui va nous permettre de. Enfin, tu vas mieux l'expliquer que moi. Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça, cette analyse croisée? Alors, Je moi, suis j'allais pas dire que sûr c'est que ce qui nous permet ça. de. Pardon?
Je dis, je suis pas sûr, mais c'est mieux que ça. On va voir, mais. J'allais dire que c'était ce qui va nous permettre de nous assurer que finalement que Google y voit notre site comme on pense qu'il est, quoi, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, au départ, on crawl notre site avec un crawler SEO qui est du coup une donnée à un instant T. Et par opposition, on a lui, Googlebot, qui connaît tout de votre site depuis le début. Donc forcément, il y a un gap entre les deux. Google connaît en général plus de pages que vous. C'est un peu triste à dire, hein, mais Google sait plus de choses. Donc l'idée, effectivement, c'est de se rapprocher d'un taux de crawl de 100%, c'est-à-dire que nous, la vision qu'on a d'un site, à un moment donné, bah, il faudrait que Google ait la même finalement, parce que de perdre du temps sur des anciennes pages, sur des redirections qui mènent pas forcément quelque chose de cohérent par rapport à la page d'origine, etc., c'est pas forcément le top. Donc on essaye de, effectivement, faire en sorte que ces deux cercles-là qu'on voit à l'écran se superposent. Alors, après, il y a peu de sites où c'est superposé à 100%. Un 100%, ça voudrait dire que vous venez de commencer votre site et que vous maîtrisez ultra bien ce que Google crawl via du robot TXT, via du noindex, etc., et que vous avez fait le truc parfaitement. C'est très rare. Là, typiquement, ce qu'on peut voir sur ces deux cercles enchevêtrés, c'est le crawl Googlebot à gauche, donc en violet, et une partie qui n'est du coup pas vue par SEO Laser, donc c'est le premier croissant de lune qu'on voit sur la Oui, gauche, tout à fait. qui sont les pages connues par Googlebot, mais qui ne sont pas connues par le crawler de SEO Laser. Ouais. Donc globalement, c'est tout l'historique Ouais, tout à fait. et qui n'est plus visible maintenant. Vous avez du coup le tronc commun, le fameux qu'on aimerait bien avoir à 100%. Et Ouais. vous avez des pages qui sont crawlées que par SEO Laser et qui ne sont pas crawlées par Googlebot. Donc, c'est Tout des à fait. pages qui sont inconnues pour Googlebot. Et là, il faudra se poser la question de pourquoi Ouais, elles tout sont à pas fait. connues par Googlebot. Exact. Voilà en gros ce qu'on essaye de faire. Et plus largement, quand on dit de faire coller la vision de Googlebot à la nôtre, là, on parlait du point de vue technique, mais il faut que ça soit vrai aussi du point de vue business. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si il y a 50% des pages crawlées du site qui ne rapportent aucun chiffre d'affaires, faut se poser des questions sur celle-là, quoi. C'est autant faire en sorte que Googlebot se concentre sur ce qui ramène du business. Enfin, à part si vous êtes une Oui, association tout à fait. ou voilà, mais Donc là, on va voilà, attendre c'est avec l'idée. impatience la liaison avec Analytics. C'est clair, clairement. Donc c'est dans la roadmap, si j'ai bien Oui, il y compris. a beaucoup, beaucoup de choses dans la Ouais. roadmap. Il y a Analytics, il y a la Search Console, il y a le monitoring, Ouais. il y a le CrawlJS, il y a l'API. Enfin, voilà, on chôme pas. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir rapidement, mais voilà. Juste petite parenthèse, là, toi, au niveau de SEO Laser, vous êtes plusieurs développeurs, comment ça marche Alors, chez toi? pour l'instant, je suis toujours tout seul, mais on D'accord. a vocation là, à grossir très, très vite Ok, top. dans les mois qui arrivent. Dès 2021, du coup. Ok, génial. Alors, on continue un petit peu cet écran, puis on descend sur des choses là où c'est beaucoup moins bien. Là, pour le coup, on a du boulot. Donc, notion de page active, page inactive, on a bien compris ce que c'était. Là, tu es sur quelle période, toi, du coup, quand tu fais ce calcul-là? Alors, c'est sur les 30 jours qui D'accord. précèdent le crawl, Ok, ça le marche. truc classique, Ouais, qui en classique. général Ça marche. préconisé, enfin utilisé Donc dans la bon, bah plupart des trucs. malheureusement, on a plein de fiches produits qui ne voient pas de visiteurs, quoi. Donc C'est ça. je ne suis pas forcément étonné, malheureusement. Alors après, il y a peut-être aussi un petit peu des pages à Il peut traiter. avoir peut-être des catégories, Ça, j'irai voir etc. plus dans le détail Mais de tout ce qu'il y a. Ouais, il y a des catégories, ouais. C'est fou, ça. pas mal de catégories. Ouais, Alors, pas ça mal peut de être légitime, hein, catégories. si c'est juste des listings de produits. Bon. C'est juste des listings de produits. Ouais. Ok. Mais bon, il y a des choses qui peuvent. Typiquement, cette catégorie jeu d'imitation, c'est un peu ballot qu'elle ne voit pas de visite parce que c'est des choses qui sont importantes pour nous. Mais après, c'est certain que ce n'est pas forcément celle-là qui est optimisée. Les gens ne cherchent pas jeu d'optimisation, d'imitation. Ils vont chercher déguisement, ils vont chercher dinette. Et donc, forcément, cette page-là, elle est. Ouais, C'est pas ne étonnant, en serait-ce que dans fait. le wording, C'est pas effectivement, étonnant. C'est pas étonnant. Ouais.
Non, tout Ok, à fait. c'est pas étonnant. Okay. Et là où j'ai aussi du boulot à aller voir, c'est ces 27 pages de 27% de pages orphelines, mais je pense qu'il y a pas mal de. Voilà, tu vois, les Les fameux fameuses, trucs ouais. un peu couillons. Après, il y en a quelques-unes moins Les plugins, ouais. intéressantes, mais y a des plugins et puis il y a quand même des vraies pages là au milieu. Et là, il faut que j'aille voir ce qui se passe, pourquoi ces pages-là sont pas liées. Et là, y a un peu de boulot. Alors, en fait, elles sont orphelines parce que Google a trouvé un lien vers celles-ci à un moment donné. Ouais. Il les a enregistrées en tant qu'URL existante chez lui. Et effectivement, même si le problème est corrigé sur le site, c'est-à-dire que quand on crawl le site, nous, via un crawl SEO, on ne les découvre pas, lui, il les connaît toujours. Donc, il va venir les Ouais. consulter, etc. Tant que tu ne lui renverras pas une 404 Ouais, tout à fait. ou Mais une là, tu vois, bon, 410, pour le il coup, la page continuera. est Donc, active, elle a l'air en stock, donc je vois même pas pourquoi, en fait, on n'est pas venu la crawler, donc il faut que je cherche ce qui se passe sur ces pages-là. Ok, donc ça, page active. Donc là, après, si je rentre dans le détail, à chaque fois, je retrouve ça. tu retrouves les listings, Ok, effectivement. parfait. Ça marche. Et ça, c'est un graphe intéressant, du coup, par rapport à l'inactivité des pages pour chaque niveau. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus une page est dans un niveau Mais oui, profond, moins elle est moins elle active, advient, moins on forcément. augmente les chances de Qu'elle soit visitée. positionnement, de ranking et qu'elle soit Ouais. visible. Donc, du coup, ça, on le voit bien, c'est-à-dire que plus on descend dans les niveaux et plus il y a un pourcentage de pages inactives. Ouais. Les pages actives, quasiment, sont jusqu'au level 4. Et là, donc on dit bien, juste pour que je sois sûr, la page. Oui, on ne parle pas juste de. Comment je veux dire, c'est bien du clic quoi sur la page. Hein. Si la personne elle arrive sur le site et qu'elle clique, c'est pas que du clic SEO, je veux dire quoi. Là, c'est que du clic SEO. C'est que C'est du clic SEO actif en au SEO. sens SEO. Donc la page elle a pu être Sans visitée par aucun doute. navigation sur le site, mais peut-être, mais en SEO par contre personne n'est arrivé jusque-là. Ok, bien compris, ça Exactement. marche. Les premières pages Ouais. SEO, voilà, en provenance de Google, quoi. Ouais, en provenance de Page Google, ça d'atterrissage Google, marche. on va dire. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Ok, orpheline. Donc, on voit la liste des pages. Redirection. J'en ai Là, il n'y en a pas. pas. Ça serait les Redirection supprimée maintenant redirections présente dans la que structure du Google site. trouve, Ok, mais compris. qu'on n'a pas trouvé via le crawl. Ok, ça marche. Pareil pour les erreurs. Alors, les erreurs. C'est des pages que. Ouais, donc, c'est les fameuses 404 qu'on a vues tout à l'heure. Ça Bah ça, du coup, ouais, marche. c'est des produits qui n'existent plus, Ouais. qui sont plus linkés sur le site, du coup. Tout à fait, et voilà, il n'est plus dispo. Donc, elles sont plus linkées sur le site, c'est bien, mais par contre, il faut prévenir Google qu'elles n'existent plus. Ouais, exactement. Et Ouais. là, en 404, Ah, bon, mais c'est. on a des options en plus dans PrestaShop qui permettent de choisir si Ouais. on fait une 301 vers la catégorie, voire une 301 vers un autre produit. C'est juste qu'il faut le faire, quoi. Une 410, non? Je vais lancer le débat, mais. Ouais, alors oui, et ben, je crois que par défaut, le Presta ne propose pas le 410. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que de mémoire, il ne le proposait pas. Alors, prenez pas ça pour argent comptant, mais ben, faudrait que j'aille Bon, vérifier. après, les J'ai pas le 410, back c'est office. plus adapté quand même pour des contenus éphémères, type annonces, voilà, Ok, ça marche. des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu nous as caché dans autre? Autre, c'est tout le reste, du coup, c'est tout ce qui n'est pas page, tout ce qui n'est pas redirection D'accord. Ok, ça ou erreur. marche. Ok, cool. Tu as d'autres petites choses que tu veux dire sur cette partie analyse croisée? Je ne sais pas si on a été assez détaillé ou pas. Ben, l'analyse croisée, là, effectivement, nous, on a croisé crawler et log, mais cette partie-là, elle est entre guillemets sans limite, dans le sens où, effectivement, après, si Oui. on plug Google Analytics, la Search Console, on peut plugger du lien aussi, hein, du Majestic, des choses comme ça. Pourquoi pas du CRM aussi, pourquoi pas des données de business intelligence sur des chiffres d'affaires, des choses comme ça, ou ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas, de mettre la marge qu'on a sur un produit Oui. et croiser la donnée, ça, avec le SEO. C'est clair. Voilà. Quand je dis analyse croisée, il faut avoir une vision de business au sens Ouais. large et réfléchir à ce qui serait le mieux pour augmenter le chiffre d'affaires en croisant les données. Et après, c'est vraiment nos limites. On peut, voilà, c'est juste, il faut avoir d'imagination. Qu'est-ce qu'on croise comme données et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces données? Qu'est-ce qu'on veut montrer et quel levier on va actionner?
Mais après, c'est vraiment sans limite. Cette partie analyse croisée, finalement, je pense que c'est l'avenir du SEO. Ça va être une espèce Ouais, de tout à hub fait. SEO, de données SEO pour driver le business, tout simplement. Exactement. Ok, alors je reprends un tout petit peu mes notes pour voir s'il y a deux, trois petites choses dont on pourrait parler. Alors moi, j'avais une question que je m'étais posée. C'est une question un peu bébête, mais voilà, je me dis, est-ce que plus Google vient visiter mon site, est-ce que mieux je vais être référencé? Alors, disons que c'est un prérequis. comme toujours en SEO, il ne faut pas faire de conclusion hâtive comme ça. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un site d'actualité va être beaucoup plus crawlé qu'un autre site, mais de par sa nature. Ce n'est pas forcément un critère de ranking supplémentaire. Par contre, si tu te dis que ton site est plus scrollé ou une page est plus scrollée parce que tu as beaucoup de liens externes, il y a de fortes chances pour que cette page-là soit bien positionnée et génère plus de trafic. Tu vois, donc ça dépend des cas. C'est le fameux « ça dépend du SEO ». Ouais. c'est un prérequis. De toute façon, le crawl de Google est un prérequis pour être indexé et donc pour ranker. Ouais. Mais a priori, c'est pas vrai tout le temps, mais a priori, si Google vient crawler souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît et qu'il estime que c'est important pour l'utilisateur. Ouais. Donc il y a de grandes chances donc, si on fait les choses bien. C'est plutôt une bonne nouvelle si on voit le crawl budget, le crawl de Google qui augmente, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Clairement, c'est un intérêt pour Google, donc pour les utilisateurs, donc potentiel de ranking supplémentaire. Alors, dans les petites questions que j'avais notées rigolotes, le crawl budget là qu'on voit là, ça peut nous permettre de savoir combien Google il est capable d'ingurgiter de nouvelles pages, par exemple. Imaginons que je veux balancer 50, 500 pages nouvelles. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas en fonction de ce que Google fait actuellement sur mon site? Qu'est-ce que tu as des visions là-dessus, toi ou... J'ai une double vision, entre guillemets. Des black hats te diront que tu peux balancer 50 000, 100 000 pages de soupe et que ça passe très bien. Après, ça reste des sites éphémères où l'idée est de générer le plus de cash possible en un court délai. Si vous êtes sur un site long terme, un e-commerce, de la presse, etc., pour moi, il est hors de question de faire ce genre de truc puisque c'est un signal qui est non naturel. Pourquoi vous auriez 500 contenus qui sortent du jour au lendemain? Pour moi, ce n'est pas forcément un bon signal. Moi, je les listerai sur le temps, sur la durée. Ok. À part si. Enfin, j'ai déjà eu le cas de sites de presse où on avait des tonnes d'archives qui n'étaient pas publiées sur le web. Et c'était justement cette discussion-là. Il y avait, je crois, 200 000 articles. Et la discussion, c'était. Est-ce qu'on balance tout d'un coup ou ou on le fait crescendo et au final on l'a fait crescendo sur un an et ça apparaissait comme des contenus dans le flux d'actu normal, comme des contenus qui étaient rédigés au jour le jour et du coup ça a pas mal bénéficié au SEO du site. Je suis pas sûr qu'on aurait eu le même résultat si on avait balancé les 200 000 contenus comme ça du jour au lendemain. Ouais. On aurait eu un pic de budget de crawl et puis après ça serait affaissé, ça serait retourné à la normale. Là l'intérêt c'est vraiment d'y aller crescendo et que Google se dit du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain mais du coup ils ont bien progressé, ils publient plus d'articles etc. Potentiellement je me dis il y a plus de gens qui rédigent derrière, il y a plus de contenu pour les utilisateurs, pour les lecteurs. Donc, je vais y aller progressivement. Je vais augmenter mon budget de crawl en fonction. Ok, top. Écoute, moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais dans ma petite liste. Je voudrais juste finir sur... Alors, après, tu me diras si tu as d'autres choses à rajouter. Je voudrais juste finir sur deux petites choses moi, que je trouve importantes. Donc, c'est de dire... ce monitoring, ce log, ce crawl, c'est super. Ce que fait SEOlyzer, c'est génial. Et l'important, c'est vraiment important de faire ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs. Voilà. Comprendre ce qu'on veut suivre et pouvoir se dire qu'il y a des choses à corriger derrière. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose de lancer un crawl et puis de rien en faire, de ne pas faire, comme tu le disais, d'analyse croisée
Et là, on a vu que sur ce site qui est en cours d'optimisation, il y a encore plein de choses à faire et on pourra aller beaucoup, beaucoup plus loin en allant rajouter des groupes, en rajoutant ce qu'on et vraiment en rajoutant des notions business aussi au fur et à mesure de tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer en effet que Google, il a la vision qu'on veut avoir du site Internet. Et alors, pour finir quand même, parce que ça fait deux heures, un peu plus, qu'on est sur SEOlyzer. C'est ton bébé, mais on n'a quand même pas du tout parlé de comment ça marchait. Mais si je suis demain, moi, je veux me lancer dans SEOlyzer. Donc, je crois de mémoire qu'il y a une offre gratuite. Il y a des offres payantes. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ça? Parce que moi, c'est un outil que je trouve terrible. Donc, il faut, alors, terrible au bon sens, hein, que je trouve exceptionnel. Et même si ce n'est pas du tout… sur ma chaîne, on n'est pas là pour donner des codes promo, faire de la pub sur un produit. Je pense que les gens vont avoir envie d'aller mettre les mains dedans. Je sais qu'ils peuvent tester gratuitement. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu le modèle économique derrière tout ça? Il faut garder en tête, et ça me permet d'expliquer un peu la jeunesse du truc, c'est que moi, en tant que SEO, j'avais des besoins et que le seul outil qui existait à l'époque était extrêmement cher. Et que j'étais chez l'annonceur et on m'a dit, débrouille-toi. Donc, c'est parti de là. Et il y avait une espèce de voilà, ces technos-là étaient mises, je parle de l'analyse de log, hein, puisque j'ai commencé là-dessus. T'es mis sur un espèce de piédestal en disant c'est technique, c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde, c'est pour les experts, c'est cher, etc. Donc l'idée de SEOlyzer, la vocation de SEOlyzer même au démarrage a été de démocratiser un petit peu tout ça, de démystifier le SEO technique, parce qu'en vérité c'est pas si compliqué que ça, c'est pas plus compliqué qu'un Excel ou qu'un autre logiciel. Cette vocation-là aussi, elle passe aussi par le gratuit, puisque on a à cœur de pousser ça auprès des étudiants, par exemple, ou des gens qui ont un petit site qui n'est pas énorme, etc. Donc, effectivement, on a une offre qui est gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 10 000 hits gratuitement sur SEOlyzer par mois. Donc là, on parle de hits Google, du coup. Alors, du coup… Ah non, visiteurs et Google, les hits dans le fichier de log. On va dire que c'est des hits soit dans l'analyse de log, mais c'est des hits que vous pouvez utiliser aussi pour du crawl. Ok, donc c'est 10 000 en tout, crawl plus log. 10 000 en tout, et après, il y a des gens qui préfèrent que faire du crawl, il y en a d'autres qui font que de l'analyse de log, il y en a qui croisent les deux. Voilà, après, chacun… Oui, donc déjà, pour des gens qui ont des petits sites à tester, c'est largement… Ils peuvent vraiment déjà se faire plaisir. C'est largement suffisant, et puis après… les premiers prix, ça reste largement abordable parce que vous passez à 100 000 hits pour 39 euros par mois. Et encore une fois, il n'y a pas de tarification à tiroir, etc. Vous payez 39 euros par mois, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Ce qu'on a vu, crawler, la visualisation, l'analyse de log, l'analyse croisée, le monitoring aussi, partie qu'on va développer dans les semaines à venir. C'est toujours bien d'être averti quand le robot TXT est modifié, par exemple. Tout simplement. Après, ça peut aller jusqu'à du très gros sur des options business où il y a des gros, gros volumes. On a des clients qui font 130 millions de hits par mois. Après, c'est plus les mêmes enjeux business, on va dire. Mais c'est adapté à toute structure. Encore une fois, vous pouvez tester. Puis là, vous avez, j'ai mis la page avec les tarifs, hein. Vous avez la petite tête d'Olivier ici en bas et vous pouvez lui parler, c'est vraiment Olivier qui va vous répondre. Vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir si vous avez des questions sur ce sujet-là. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour et ce qui est vraiment bien, c'est que ton outil permet de faire beaucoup de choses, mais je trouve qu'on a donné plein d'astuces et de comment l'utiliser, mais aussi… des petites choses, on a parlé des 410, on a parlé des j'ai déjà oublié le code, mais pour les 304, il y a eu plein de choses qu'on a vues et je pense que ce que tu as très bien résumé, c'est avec SEOlyzer, on a l'impression que l'analyse de log, ça devient facile. Et ça, c'est une réussite, c'est vraiment top. Et on peut se concentrer sur la partie analyse, business,
pour aller beaucoup plus loin. Donc, je sais que Céline, en tout cas, qui est la petite commerçante de Merlin, sur laquelle on a fait l'exemple, je sais qu'elle va pouvoir regarder cette vidéo et qu'elle va aussi comprendre de quoi on a parlé. Elle va pouvoir avancer aussi d'elle dans ses compétences. Moi, c'est ce que j'aime bien quand je bosse avec des e-commerçants, c'est qu'on ait une montée en compétences de leur part. Donc, avec ce genre d'outils, on peut vraiment faire ça. Donc, c'est très, très chouette. Un grand merci d'être venu nous présenter tout ça ce matin. Je ne sais pas si tu veux garder un petit mot de la fin, mais en tout cas, moi, c'était un vrai bonheur. Un grand merci à toi, déjà, pour l'invitation. C'est très gentil de ta part. Et écoute, c'était bien, bien sympa, bien agréable. Et puis, je te souhaite d'en faire plein d'autres, d'avoir plein de vues. Et voilà, c'est un bon format. Ça ouais. marche bien en plus en ce moment. C'est utile pour tout le monde. Et ça ramène, on va dire, un petit peu d'humanité par les temps qui courent et c'est d'autant plus appréciable. Ouais, il y a des trucs sympas en effet à venir. Alors, la semaine prochaine, j'en enregistre deux. Je suis un fou, mais voilà, pour des raisons de calendrier, j'ai dû en faire deux la semaine prochaine. J'ai Morgane de Scribix qui va parler de rédaction. Et puis, j'ai Julien de Corleone avec qui on va sûrement parler d'édition de sites pour voir un petit peu comment gagner sa vie sur Internet. Ouais. Voilà. Mais on n'a pas encore 100% cadré le sujet, mais voilà, je pense que c'est le bon interlocuteur pour ce sujet-là. C'est clair. OK. Bon, et ben, encore un très, très grand merci à toi, Olivier. Et puis, ben, merci à vous tous d'avoir... nous avoir suivis jusqu'au bout. On pourrait peut-être la faire en plusieurs fois puisqu'elle est un petit peu longue, mais il y a beaucoup d'informations, c'est très riche et ça va vraiment vous aider à vous lancer dans l'analyse de log si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.